Déjà, le, la joie de vous revoir après euh, un an et demi euh, fait par la pandémie. Un an de difficultés, un an de doutes, un an d'épreuves. Mais le bonheur de vous retrouver ici euh, si nombreux. Nous aurions aimé être davantage, mais en raison de la situation sanitaire, euh, nous ne pouvons faire davantage. Alors, j'aimerais tout d'abord euh, dire quelques mots de gratitude. Merci au premier questeur de l'Assemblée nationale, Florent Bachelier, de nous accueillir dans la salle Victor Hugo. Merci à tonton Georges Ada, ancien président de l'université, qui est là. Un grand merci à Madame l'ambassadeur Anna Bosman d'avoir permis à cet événement de se tenir. Et surtout, un merci infini à Son Excellence, le président de la République du Ghana, pour être pour la première fois venu qu'un président se déplace pour un moment d'éloquence et d'élevation de l'esprit. Ce n'est jamais arrivé. Alors beaucoup m'ont demandé pourquoi le procès du progrès. Déjà, sans entamer les débats, qu'est-ce que nous entendons par le progrès Est-ce seulement les avancées de la médecine Est-ce seulement des comptes bancaires bien remplis Est-ce l'intelligence aussi est-ce les valeurs? Est-ce la culture Et comment croire au progrès lorsqu'on voit que l'essentiel des richesses de ce monde sont utilisées pour des armes Comment on croit au progrès lorsque, aujourd'hui encore, euh, certaines personnes méprisent d'autres en raison de leur couleur de peau et non de l'intensité de leur âme euh, Comment on croit au progrès lorsqu'il y a tant de souffrances Mais comment ne pas croire au progrès lorsqu'un président de la République accepte de se déplacer pour la joie de penser pour la joie de transmettre, pour la joie d'aimer. Euh, comment ne pas croire au progrès lorsque la science sauve nos parents, sauve nos amis, lorsque les réflexions rendent le monde meilleur Je crois que ce sont les idées qu'il faut avancer le monde. L'argent, les choses matérielles suivent les idées. Et c'est pour ça que je suis honoré que le président de la République du Ghana, qui est un des plus grands présidents d'Afrique et un des plus grands présidents que j'ai eu le bonheur de, de voir, par toutes ces valeurs, mais nous aurons l'occasion de revenir dessus un peu plus tard dans la soirée. Et donc, pour le progrès, je vous souhaite l'espérance, je vous souhaite l'amour, qu'il soit fécond, que nous réfléchissions, que nous nous aimions et que de cette étreinte éternelle ne reste que des étincelles de vie. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a eu un empêchement de dernière minute et il est extrêmement désolé de ne pas pouvoir être là. Mais il a fait un mot, évidemment, pour saluer la présence exceptionnelle du président de la République et un, un mot pour l'assistance. Je vous remercie de l'écouter et nous commencerons l'événement immédiatement après. Monsieur le président de la République du Ghana, président du Grand Jury, Votre Excellence Nana Akufo-Addo, Madame la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, chère Elisabeth Moreno, Monsieur le Premier Questeur, cher Florian Bachelier, Messieurs les Bâtonniers, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, c'est autant un plaisir qu'un honneur d'accueillir dans cette maison votre festival d'éloquence, si éloquemment défendu par Florian Bachelier. Je le remercie d'avoir associé notre institution parlementaire à cet événement culturel dont je salue à la fois l'ambition et la portée. L'Assemblée nationale n'est pas une institution qui juge le principe de la séparation des pouvoirs s'y oppose. C'est en revanche une institution qui délibère et où l'art oratoire est depuis toujours à l'honneur. Athéna est tout à la fois déesse de la démocratie, de la sagesse et de l'éloquence. Et ce n'est pas un hasard si chaque fois que je me rends dans l'hémicycle pour présider la séance, le parcours rituel me fait passer devant sa majestueuse statue de bronze. Cette année, les orateurs vont s'affronter sur une controverse en apparence philosophique, mais d'une brûlante actualité puisqu'ils feront le procès du progrès. Clin d'œil de l'histoire, réquisitoire et plaidoirie, vont retentir dans cette salle qui porte le nom d'un homme de progrès, Victor Hugo, qui au début de la Troisième République écrivait ceci. Remplaçons les commotions par les concessions, c'est ainsi que la civilisation avance. Le progrès n'est autre chose que la révolution faite à l'amiable. Alors, révolutionner pacifiquement, progresser collectivement et sans rupture dramatique de l'unité nationale, c'est en effet tout le propos, le pari même des assemblées parlementaires. Leur organisation, leur fonctionnement visent à canaliser les forces politiques et sociales pour qu'elles s'affrontent par la parole, par les mots, plutôt que par des violences. En cela, le parlementarisme lui même constitua un progrès dans cette lutte libératrice qu'un contemporain de Victor Hugo, Jules Michelet, en préface à son Histoire de France, résumait en ces termes. Dans le progrès humain, la part essentielle est à la force vive qu'on appelle l'homme. L'homme est son propre Prométhée. Chez ces auteurs du 19e siècle, héritiers revendiqués de Descartes, des Lumières et de la Révolution, le progrès avec un grand P, un P majuscule, représentait l'une des notions essentielles de la modernité. Il annonçait par une accumulation continue de connaissances le bien-être croissant de l'humanité dont il accompagnait l'émancipation. Pour eux, le progrès signifiait que l'homme pouvait conquérir une véritable autonomie au lieu d'être soumis au déterminisme de la nature. Progrès, culture et liberté avaient ainsi partie lié, donnant lieu à l'optimisme sans faille de ce que nous appelons aujourd'hui la belle époque. Ainsi, les progrès de l'aviation furent d'abord interprétés comme le prélude à la fin des frontières et à l'amitié entre les peuples jusqu'au premier bombardement aérien en 1914. Deux guerres mondiales, durant lesquelles toutes les ressources de la technique et de la science ont agi à des fins destructrices et meurtrières, ont remis en question cette religion civile du progrès. Ajoutez à cela les accidents industriels, pétroliers ou nucléaires, la pollution des sols et des eaux, le potentiel autodestructeur de l'homme a conduit des penseurs comme Ulrich Beck a théorisé la société du risque. Aujourd'hui, l'idée de progrès apparaît donc dans toute son ambivalence. Elle a permis d'éduquer des générations entières et de sauver des vies, mais elle a servi à justifier le colonialisme et à tuer en masse. A-t-elle aussi conduit à l'épuisement des ressources naturelles ou bien sauvera-t-elle l'humanité des périls que causera le changement climatique. Faire le procès du progrès, c'est en quelque sorte demander à l'humanité de comparaître pour répondre de ses erreurs, de ses illusions, mais aussi de ses espoirs et de ses idéaux. Une bonne justice n'est pas toujours une justice qui punit. Elle peut montrer de la mensuétude et s'en mimiser davantage. Dans les délibérations, je plaiderai pour ma part en faveur d'un sursis ou d'une probation qui donnerait au progrès l'opportunité de réparer ses dérives. Je vous remercie. Sans plus attendre, nous allons faire le procès du progrès. Alors, avant de faire le procès du progrès, présentons le grand jury surdimensionnel qui est ici ce soir. J'ai moi-même du mal à y croire. Et jusqu'à ce que je vois le président du Ghana avancer, je ne pensais pas qu'il viendrait, même s'il me l'avait confirmé. Et donc, je vais présenter très brièvement chaque membre du grand jury. Déjà, mon ami Florian Bachelier, premier question de l'Assemblée nationale. Catherine Goliot, journaliste éditrice du Point. Et c'est à elle que nous devons un bon nombre des hors-série Le Point, pour ceux qui ont le goût de l'intelligence, ils la connaissent assurément. Louise Contana-Mercy, euh, généticien, euh, chaire de la génétique évolutive à l'Institut Pasteur et au Collège de France, un des plus grands généticiens que nous avons ici en France et qui nous ébaudira tout à l'heure. Yvonne Betkober, qui est la directrice générale d'Amazon Web Services en Suisse. Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président du groupe Engie, aussi président de l'Opéra, et que vous connaissez tous. Gérald Bronner, qui est sociologue et dans l'actualité br euh, brûlante, puisqu'il a été chargé par le président de la République, Emmanuel Macron de réfléchir sur la désinformation et sur les fake news. Et Madame Mercedes Herra, qui est une entrepreneuse de, de, de qualité, qui a fondé le groupe BETC et qui dirige également Avas Worldwide. Et enfin, évidemment, on ne le présente pas, on ne le dit pas, Son Excellence, le président de la République du Ghana, Nana Akufo. Dos. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Prométhée, qui sera incarné par Bertrand Perrier, qui fera peut-être écho au discours du président Richard Ferrand, bien qu'il n'en ait rien entendu. Et donc, je vais laisser Bertrand Perrier se lever et venir parler. Je prierai à chacun des intervenants d'être fécond, d'être puissant, mais d'être bref. Et donc, ça vaut pour tous les intervenants. Et je, et je me permettrai d'interrompre sans aucune pitié les intervenants trop gourmands en prenant le sabre du président Nana Koufouado. Et donc, aucun d'entre vous, évidemment, ne pourrait dire quelque chose. Mon cher Bertrand, Bertrand Perry, tu as la parole. Mesdames et messieurs, vous voyez d'emblée que chez Pascal Galli, la brièveté n'exclut pas la fécondité, puisque sur ces jeux de purgation, on doit être à la fois l'un et l'autre, ce qui me rassure pour les soirs où je ne suis pas très en forme et où je m'efforce d'être bref mais fécond, ce qui est ma situation euh, ce soir. Vous aurez d'ailleurs... Conçu que cette soirée est tournée autour de la libido de Pascal Galli il arrive et qui immédiatement se déshabille hein, publiquement alors même que le président de la République du Ghana est là mais il se déshabille devant un président parce que tout ça pour Pascal Galli c'est de l'amitié c'est de l'amour c'est de l'éloquence et même quand il se déshabille en public il le fait avec cette élégance également féconde qui le caractérise alors peut-être vous souvenez-vous mes chers amis qu'il y a deux ans, très exactement, qu'est-ce que tu veux et ça, ça traduit. Ah, pardon. Il y a deux ans. Il y a deux ans, <laughs> mes amis, nous étions à la Sorbonne. Et Pascal Galli avait imaginé, dans sa folie furieuse, d'organiser le procès de Dieu. J'avais alors le rôle de Séraphin de Dieu et je vous avais dit... Membres du grand jury, qui n'étiez pas les mêmes, mais qui, par fonction, étaient les prédécesseurs de vos successeurs, j'avais dit l'imprudence de cette cause. Et j'avais dit la colère de Dieu qui m'avait envoyé mandater, mandater et non pas honorer, ce qui est pour un avocat est désagréable, mais un client gratuit est tout de même un client. Et Dieu m'avait envoyé pour vous dire son courroux. À l'égard de ce procès qui lui était fait en Sorbonne. Vous ne m'avez pas écouté, vous avez préféré écouter Christian Charrière, ce que je peux comprendre. Moi aussi, de temps en temps, je me laisse éblouir par Christian Charrière, et vous avez condamné Dieu. Force est de constater que Dieu s'est immédiatement vengé. Et trois mois plus tard, s'abattait sur le monde une pandémie dont nous sommes encore les héritiers. Alors, on a accusé des chauves-souris et des pangolins. Pas du tout. Le coupable, c'est Pascal Gali. Et donc... Depuis deux ans, on se demande pourquoi le patient zéro, pourquoi les masques, pourquoi les jeux de société, pourquoi est-ce qu'on a été obligé de voir notre compagne, ou notre compagnon pendant trois mois sans discontinuer Pourquoi est-ce qu'on le supporte plus Pourquoi le divorce post-Covid Pourquoi les vaccins Pourquoi Didier Raoult ben pourquoi Didier Raoult Parce que Pascal Galli. Et donc, voyez-vous, et vous n'avez donc pas. Nulle leçon de ce qui s'est passé il y a deux ans et il recommence parce que, il y a chez Pascal Galli une forme de récidive, c'est qu'il n'est pas seulement content de nous avoir fait connaître l'enfer pendant deux ans, on en sort à peine et tac, comme il voit qu'on en sort, qu'on en sort peut-être, et ben il nous réorganise un nouveau procès. Et je ne sais pas ce qui va arriver dans euh, trois mois. L'élection présidentielle sans doute, et vous voyez, c'est la double peine. C'est à dire qu'il vous a fait Dieu et maintenant il vous fait le progrès. Et alors là, bah, que dire si ce n'est la consternation? Enfin, le pardonnez moi, vous, monsieur le président de vous êtes venu de loin, c'est le procès du, du, du progrès. Le procès du bien être, le procès du bonheur. Qui fait ça? Qui fait le procès du progrès? Euh, je, je veux bien que euh, Dieu d'ailleurs. Et, et alors j'observe donc que euh, en, entre le séraphin de Dieu et en deux ans, je suis devenu Prométhée. Prométhée quoi, j'en sais rien, mais je suis Prométhée. Oui, parce que quand j'ai pas d'idée, je fais des calembours. Euh, donc je suis aujourd'hui Prométhée, et donc je suis condamné euh, par Dieu ayant volé le feu pour le donner aux hommes. Je suis condamné à être euh, euh, attaché à un rocher pour qu'un aigle me bouffe le foie pendant l'éternité. Je veux dire, la méchanceté de Galie. Je, je viens gratuitement, vous aussi d'ailleurs. Et pourquoi pour admirer un type qui n'a non seulement rien à dire, ce qui venant d'un avocat n'est pas très grave, mais qui en plus se prépare à se faire bouffer le foie par des aigles, qui donc en me bouffant le foie deviendront eux-mêmes diabétiques, euh, ce qui fait que cette soirée n'a définitivement aucun sens. Alors, évidemment, euh, pourquoi Prométhée euh, alors, je ne sais pas si euh, Pascal Galli me préfère prometter enchaîné ou Prométhée déchaîné, toujours est-il que dans le programme de cette soirée, tel qu'il nous a été envoyé probablement à vous également, le moment que j'assure actuellement est intitulé « Exhibition improvisée ». C'est-à-dire le, 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 la vacuité de la vie personnelle de Pascal Galli qui me propose de m'exhiber devant vous. J'ai... A... Enfin, « Vous me voyez habillé, personne n'a envie ici que je m'exhibe ». Donc euh, Pascal Galli est quasi marié, pour autant il me propose de m'exhiber, euh, je trouve ça un peu étonnant. Alors pourquoi euh, ce procès du progrès Le progrès ne vous a rien demandé, et le procès euh, du progrès est évidemment un, un non-sens. Et je, je, je vous le redis, mais comme je vous l'avais dit, pour Dieu ce, ce, ce procès est une erreur grave. Enfin, Pascal, tu, 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 enfin, c'est terrible. Euh, Perseverare diabolicum. La, la, la récidive est diabolique. Euh, et d'ailleurs, elle vaut double en droit pénal français. Et donc, tu seras condamné double et deux aigles viendront te bouffer le foie euh, quand euh, enfin j'aurai été libéré, puisque, comme vous le savez, Hercule a fini par libérer Prométhée et à lui conférer l'éternité. Ce qui va nous faire un bail ensemble, les amis. On en a pour l'éternité. Ça va être vraiment très, très sympa. Euh, on va être là pour l'éternité. Pour deviser sur le progrès. Alors un, un mot tout de même pour dire sur le progrès avant que Pascal ne me coupe parce que de toute façon je ne sais pas moi j'ai vocation à être l'apéritif une fois de plus dans cette soirée donc voilà je, je passe je fais caramel bonbon et chocolat après je m'en vais. Alors honnêtement je crois qu'il y, y a évidemment un, un, un malentendu. Ce qui est propre à poser des difficultés, c'est pas le progrès. L'innovation, bien sûr, la modernité, sans doute, le changement, même s'il est en marche, peut avoir ses revers, bien sûr, ou ses lenteurs. Mais le progrès, c'est une valeur, c'est un épanouissement de l'homme. Faire le procès du progrès est donc, par hypothèse, un non-sens. Évidemment, le progrès a permis... Mille améliorations de la vie des hommes. Quel est ce Pascal Galli qui fait le procès du progrès, laissant ainsi entendre qu'on pourrait préférer aujourd'hui la cote de maille plutôt que le costume supersan, euh, qui nous laisserait à penser qu'on pourrait préférer les saignées euh, plutôt que les antibiotiques, ou le communisme plutôt que la liberté Bon, donc il y a déjà là euh, un, un, un non-sens. Euh, diachronique dans, dans l'histoire. Alors, je, je ne nie pas que parfois, c'est vrai, la foi dans le progrès, c'est-à-dire la foi dans la perfectibilité de l'être humain, m'abandonne quand j'allume la télévision. Euh, et, et là, je me dis effectivement que l'esprit qui a été l'esprit de la France, qui a nourri le monde de son intelligence, de ses lumières, eh bien, tout cela est parfois menacé. Je me dis que les progrès que nous avons pu faire, qui ont fait de l'homme, le maître et le possesseur de la nature, qui ont fait que nous avons objectivement des vies meilleures, qui fait que nous avons réduit les distances avec nos proches, et que même pendant le confinement, nous étions avec eux, qui fait que nous vivons plus longtemps, ce qui est un bonheur, parce que nous voyons nos enfants pour ceux qui en ont, nos petits-enfants pour ceux qui en ont, et finalement, la vie est incontestablement meilleure du fait du progrès. Et qui envisagerait de revenir en arrière Qui euh, alors qu'il me fait des signes d'espérance, en disant que j ai, j ai, je n'ai pas fini Pascal je je je, je, je suis venu, je vais bientôt partir. Ne t'en fais pas. J'ai euh, forcé Gérald Brenner à mettre une cravate. Il en peut plus. Il en met jamais que quand il voit Macron. Je sais que ça ne correspond pas à son habitus. Il est là, il étouffe, il est comme ça, ça il va pas bien. Donc, mais c'est pas grave. Il y a un service de sécurité qui va venir. Là, il est tout rouge, il n'en peut plus. Il grimpe dans les tours et dans la. Enfin, vraiment. Euh, donc, tout, tout ça pour dire que vous avez choisi ce, ce, ce thème du progrès, euh, qui, qui évidemment est un non-sens parce que euh, ça, ça n'est pas le, le, le progrès. Le progrès est évidemment en soi. Et par hypothèse une vertu qui n'a pas... Après, chacun voit le progrès, bien sûr, euh, à son aune et à l'aune de ses propres valeurs, mais faire le progrès du non-sens est évidemment euh, un, un, un non-sens. Et ce que je voudrais vous dire pour terminer, évidemment, parce que ça reste un festival de culture et d'éloquence, quelle merveille, quelle merveille, une fois de plus, d'être accueilli ici dans un temple de l'éloquence où tant de progrès, précisément, ont été réalisés par l'éloquence, par la parole. C'est la parole qui, dans cette assemblée, a permis l'abolition de la peine de mort, a permis que l'IVG ne soit plus pénalisé, a permis la dépénalisation de l'homosexualité. C'est vous dire que c'est ici, et par la parole, que se joue le progrès humain. Parce que le progrès, bien sûr, il s'incarne aussi dans ces réformes décisives. Et quel bonheur d'être dans cette enceinte, d'être accueilli dans cette enceinte où le progrès se joue par les grands moments d'éloquence qui ont ponctué euh, notre euh, euh, république et qui, euh, encore aujourd'hui, euh, restent à accomplir, car le progrès est une flèche, le progrès ne se termine jamais. Bien sûr qu'il y a un progrès cyclique, bien sûr qu'il y a des moments d'aller-retour, bien sûr qu'il y a des périodes où le progrès apparaît moins aux yeux de chacun qu'à d'autres périodes, mais il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire envers et contre tout. Parfois il y a des obscurantismes, parfois il y a des reculs, parfois on se dit, et notamment dans la question de la liberté d'expression qui nous préoccupe évidemment aujourd'hui, nous qui sommes si attachés à la liberté de la parole, bien sûr qu'il y a des moments où on arriverait à douter du progrès, à douter de sa possibilité, mais jamais à douter de son espérance. Et donc véritablement, bien sûr qu'aujourd'hui la liberté d'expression est attaquée de toutes parts. Bien sûr qu'il faut la défendre pied à pied. Bien sûr que ce sont nos petits renoncements, bien sûr que ce sont nos petites lâchetés qui font les grandes censures. Bien sûr que tout cela et cette soirée y contribuera bien sûr à libérer la parole. Et bien sûr nous allons écouter les vrais orateurs de cette soirée, qui sont Robert Dessous et Christian Charia bonazel Un dernier mot pour vous dire à quel point je suis heureux de partager cette soirée avec vous, parce qu'elle est autour d'une thématique qui est aussi celle à laquelle contribuent les avocats. Et les avocats savent à quel point les progrès, la défense, la progrès, les progrès des droits humains passent aussi par la parole. Et aujourd'hui, je veux vous inviter, et cette soirée en a le symbole, à continuer à défendre ce progrès. On n'arrête pas le progrès. Faites en sorte que cette maxime... Demeure véridique et faites en sorte que un jour, quand je ne serai plus là, quand nous ne serons plus là, ces vertus du progrès demeurent, qu'elles soient éternelles parce qu'elles sont consubstantielles à notre histoire. Un vœu pour terminer, éternellement et pour le progrès, laissez les lumières allumées. Alors, merci beaucoup, mon cher Bertrand. Comme je t'avais demandé, tu as été bref et fécond. À défaut d'avoir été bref, tu as été fécond. Et je, t je ne t'ai jamais vu aussi, aussi engagé. Et j'ai vu que ce sujet te, te tenait à cœur. Et tu as parlé avec le cœur, pas juste pour nous faire rire, mais pour nous toucher. Et sache que je vois ça comme une marque d'estime et une délicatesse qui me touche. Alors, sans plus tarder. Nous allons commencer avec les témoins du progrès. Puisque Bertrand Perrier était un peu long, je dois raboter sur les autres. Donc, maintenant, nous allons avoir deux scientifiques extraordinaires. Le professeur Étienne Klein, qui est un grand physicien, qui va vous parler des choses, des atomes, euh, de la lumière noire, des choses que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il vous ébaudira. Et le docteur Pascal Pic, qui est un paléanthropologue. Donc, nous n'en voyons plus aujourd'hui. C'est une espèce presque disparue. J'ai déjà eu le chercher dans les confins de l'Antarctique. Mais j'ai réussi à le trouver. Et donc, chacun va venir à la tribune faire une intervention de 5 minutes. 5 minutes qui vont être suivies de questions-réponses du bâtonnier Christian chéar et du bâtonnier Robert Dossou, qui poseront chacun une question à, au docteur Pascal Pic, d'abord, et ensuite au, au docteur Étienne Klein. Donc, une question, pas plus, ils vous répondront, et ensuite nous poursuivrons le procès. Donc, je demande euh, à Dr. Pascal Pic de venir à la tribune. Merci, pa Merci Pascal Gali. Merci pour cette invitation. Son Excellence, le Président du Ghana, heureux d'être là et heureux de vous faire découvrir qu'un paléanthropologue, ça existe et ça parle. Alors... En tant que paléanthropologue, évidemment, ce qui veut dire paléo-ancien, anthroposlum, l'homme, logos, sa connaissance, donc toutes les sciences qui s'associent à cette grande question, d'où venons-nous Et il est vrai que les sciences ont apporté une réponse particulière, un ensemble de réponses dans le cadre des théories donc, de l'évolution. Alors, après ce beau plaidoyer qu'on a entendu pour le progrès, je vais certainement être un peu plus à charge en tant que témoin, mais néanmoins pas contre l'idée de progrès. Je vous rassure tout de suite. Je ne vais pas sombrer dans l'ambiance boboisante actuelle qui nous dit qu'il faut retourner à l'état du bon sauvage, parfaitement en équilibre avec la nature. D'ailleurs, notre ami philosophe André Consponville me disait, tu sais, il y a cette histoire quand même étonnante. Tu as trois gars qui sont au milieu du paléolithique, donc on va dire il y a 40 millions d'années, enfin 40 000 ans, pardon. Et ils se disent, écoutez, c'est quand même bizarre, les gars. Euh, on mange bien, on mange naturellement, euh, on est au grand air, euh, on ne pollue pas, et pourtant, on a une espérance de vie de 26 ans. Donc, que s'est-il passé Alors, évidemment, comme je suis un évolutionniste, je vais tout de suite aborder le sujet au travers des théories de l'évolution, et c'est le même sujet, en fait, parce qu'au 19e siècle, je n'irai pas aller... Sur des considérations plus anciennes en termes de progrès, comme en religion ou en philosophie, ce n'est pas mon sujet, mais il y en a évidemment des progrès. Mais au XIXe siècle, les théories de l'évolution et l'idée de progrès sont complètement consubstantielles. D'ailleurs, les termes se juxtaposent ou alors se confondent les uns les autres. Il est troublant d'ailleurs de constater que les termes de progrès comme d'évolution font partie des termes les plus usités et avec le plus grand nombre de contradictions, d'incompréhensions et souvent de biais pour employer un terme moderne. Alors le 19e siècle, c'est évidemment le siècle du progrès. Après le 18e siècle, c'est l'idée que les sociétés occidentales vont mettre en œuvre par les sciences et les techniques, mais bien sûr, ça a été dit par la démocratie, par la philosophie, par les, les humanités au sens large, bien sûr la littérature, on a évoqué Victor Hugo, donc cette grande idée de progrès. Et l'idée d'évolution va arriver là-dessus, et de ce fait, il va y avoir une, une extraordinaire convergence d'idées voire même un carcan qui va tout placer dans le même moule, que ce soit l'histoire des religions, que ce soit l'histoire des sociétés, que ce soit l'histoire des espèces, que ce soit l'histoire de l'évolution de la lignée humaine. L'idée que forcément ce qui était avant était moins bien, moins bien qu'aujourd'hui, que demain sera forcément mieux. Alors cette vision qui donne une échelle évidemment qu'on appelle gradiste, pour être clair, on va dire graduelle, de l'ensemble des événements qui ont précédé l'avènement de l'homme et l'histoire de l'homme, va avoir ses biais euh, complètement idéologiques, soyons très clairs. Et de ce fait, vous imaginez bien qu'on parle de dégradation. C'est un terme qui nous vient du grand biologiste Buffon. Et l'idée de dégradation, c'est que l'homme est parfait et dès qu'on va vers des espèces ou d'autres cultures même qui sont différentes, c'est forcément moins bien. Alors vous imaginez euh, l'image qu'on a du Moyen Âge qui est traduit dans un film excellent et de haute qualité qui s'appelle Les Visiteurs. Et dès que vous allez encore plus loin dans le passé, vous arrivez chez les hommes préhistoriques qui marchent voûtés, qui tiennent leurs femmes par, par les cheveux, qui leur tapent dessus et qui ont peur des grands prédateurs. Moi, je peux vous dire que dès que les tigres à dents de sabre ont vu arriver les hommes, ils se sont dit, hé hey, les gars, les embêtements commencent. Donc, à partir de là, ces grandes idées de progrès, évidemment, ont bousculé les, les grandes idées du 19e siècle. Et c'est intéressant de constater que Charles Darwin, qui n'a pas du tout trompé là-dedans, mais va être accaparé dans cette euh, idéologie du progrès. Et l'idée est qu'effectivement, nous avons... J'ai déjà fini Ah bon Oh, il est terrible, là. Non, bah non mais si on discute, je vais la la okay, Donc, Ok, j'y vais. Mais les conséquences, c'est qu'effectivement, euh, on a tout calé comme cela, mais il y a eu un grand oubli. La grande idée de progrès, si vous cherchez une image de l'évolution de l'homme, mesdames, je vous défie de trouver une image de l'hominisation avec les femmes. On se demande à s'en passer. Ce que j'appelle le complexe du dodo. Alors, c'est un autre film extrêmement célèbre qui s'appelle L'âge de glace. Il euh, y a une chorégraphie avec les dodos, qui étaient des gros oiseaux de, de l'île Maurice. Puis voilà, et à ce coup, il y a trois dodos qui disparaissent dans un geyser. Et les gars euh, commencent à chanter, ils continuent. Mais, puis, ah, écoutez, oh, on a un problème. On a perdu les deux, trois dernières femelles. Et c'est exactement ça. Toute l'évolution de la lignée humaine, on ne voit pas les femmes. Euh, dès que vous voyez une reconstitution de l'outil, que ce soit le feu, les techniques avec les habits, les, les, abri les habitats, euh, les âges de pierre, ensuite les agriculteurs, etc., c'est toujours un homme qui est représenté avec ses outils et pas du tout les femmes. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus grave, évidemment, euh, c'est euh, dans cette assemblée la raciologie d'un seul coup les théories de l'évolution vont servir pour hiérarchiser et c'est là que j'arrive un petit peu à charge puisqu'en définitive il y a eu bien sûr cette grande vision que le monde pouvait changer et s'améliorer ça on est bien d'accord mais derrière cela il y a eu une hiérarchisation entre les hommes et les femmes entre les cultures évidemment entre elles et évidemment vis-à-vis -vis des espèces et c'est là qu'effectivement que le progrès a traîné comme fléau Trois grands problèmes de notre époque, qui sont évidemment le sexisme à l'échelle mondiale, qui sont évidemment le racisme ou l'exclusion, et également l'espécisme. Je ne les mets pas au même niveau, mais néanmoins il y a eu cette grande idée d'une exclusion par rapport aux standards qu'était le monde occidental. Et pour autant, ayant dit cela, est-ce que l'Occident a tout faux Non, certainement pas. Ça a été évoqué tout à l'heure, les grandes idées de démocratie, de droit de l'homme, d'humanisme, elles sont là. Mais le problème, c'est qu'on a regardé que qu'à travers le filtre de notre culture, sans s'apercevoir qu'il y avait évidemment d'autres enjeux. Et pour conclure, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette idée de progrès. Le procès tombe bien d'une certaine manière. C'est qu'indéniablement, il y a eu de formidables avancées, ça a été dit. Mais aujourd'hui, est-ce que peut se poser la question de savoir, est-ce que l'idée de progrès, en tout cas la manière dont la mise en œuvre, en partie, a respecté ces, grands, ces trois grandes valeurs qui sont au fronton de ce bâtiment et de tous nos bâtiments officiels, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Sur les libertés, c'est pas tout à fait évident. Sur l'égalité, il y a encore beaucoup à faire, et la fraternité encore beaucoup plus. Donc c'est à l'aune certainement de ces trois grandes valeurs qu'il sera intéressant de, de juger, en tout cas d'apprécier ce qu'était le progrès, qui pourtant est une idée absolument essentielle dont on ne peut pas se débarrasser. Mais l'idée de progrès doit évoluer parce que l'évolution s'est dissociée de l'idée de progrès dans son idéologie, et que très clairement, on le voit bien aujourd'hui, la nature se rappelle à nous, les diversités se rappellent à nous, et que très clairement, la, le vrai enjeu du progrès, me semble-t-il, en tant qu'anthropologue évolutionniste, euh, c'est de grandir celle-ci, sans nous capables évidemment de faire que le progrès, injonction absolument nécessaire pour l'avenir de l'humanité, soit complètement universel. Et vous savez, c'est quand même étonnant, c'était la grande intervention de Claude Lévi-Strauss devant l'UNESCO en 1971, tout le monde avait été surpris parce qu'il dit attention, chaque population humaine, chaque diversité est une expression du génie humain. Et il faut attendre 2005 pour qu'on ait une charte de l'UNESCO qui dit qu'en fait, aucune culture ne peut se prétendre universelle et imposer, évidemment, l'ensemble de ses valeurs sans qu'elles aient été discutées à l'aune du progrès et de l'avenir de l'humanité et imposées aux autres. Donc voilà où on en est. C'est vraiment là où nous en sommes et aujourd'hui donc le grand, je pense que le grand enjeu c'est passer d'une grande vision du progrès qui a était trop discriminante et exclusive à une idée du progrès qui soit complètement inclusive avec toute la diversité concernant les hommes et les femmes les hommes et les femmes de toutes les cultures et évidemment les enjeux de la nature et des autres espèces merci. Merci beaucoup, docteur. Alors, je vais... madame la ministre, la République est en retard, mais pas à rebours. Je, je vous escorte. Et, et nous venons de parler de, 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 de la place des femmes et la raison pour laquelle elles ne sont évidemment pas parfois euh, aux premières loges, même si elles devraient l'être. Et euh, plus sérieusement, le bâtonnier Robert Douceux et le bâtonnier Christian Bounazel, oncle Christian ou tonton Robert, est-ce que vous avez des questions L peut, si les deux ont des questions vous pouvez si un seul a une question c'est tant mieux et je vous avoue que oui, le timing est très serré et donc euh, honneur, à, honneur à la sagesse je vous introduirai tout à l'heure tous les deux lorsque vous ferez vos plaidoiries mais la sagesse parle 82 ans, tenez Robert dessous je vous laisse poser votre question sur le paléontologue ou le paléolithique je vous laisse faire pas dans la nouvelle technologie. Je crois. Euh, J'ai juste une question. Je voudrais que vous puissiez nous dire, nous indiquer quel a été le rôle des animaux dans le progrès des humains. Ah ben, euh, le, le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout été intégrés dans l'idée de progrès. Et c'est ce qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces héritée d'Aristote. On connaît tous ce schéma, avec une procession d'animaux à quatre pattes, certains qui sont à moitié adressés, c'est les chimpanzés, et ensuite l'homme triomphant, donc l'esprit au-dessus du corps. Donc les animaux ont été des faire-valoir, et on n'a jamais considéré qu'ils pouvaient évidemment considérer la moindre idée de progrès. Même les pauvres singes, vous savez, même dans, euh, dans, dans l'œuvre de Kipling, le livre de la jungle, c'est intéressant de voir qu'il fait parler les animaux mais les singes sont considérés comme les plus stupides et qu'en fait, ils sont les plus proches de nous. Il y a toujours eu ce, cette vision très péjorative des animaux et très encombrante. Euh, alors, je ne parle pas de l'anthropomore suisse, hein, je veux dire, on pense évidemment aux femmes de La Fontaine, etc., où les animaux ne sont pas considérés tels qu'ils sont. Et ça fait en fait très peu de temps... Que nous considérons les nous animaux pour ce qu'ils sont, ce qu'on appelle l'éthologie, l'étude de comportement. C'est un champ de connaissances qui est absolument récent. Donc, maintenant, aujourd'hui, on le voit bien, et qu'il est absolument nécessaire de tenir compte des biodiversités et autres et des relations avec ces animaux, parce qu'on ne va pas continuer sans eux, ça c'est une évidence, mais il y a donc une prise de responsabilité par rapport à cela. Donc, plus que du côté de l'évolution des animaux, je crois qu'il s'agit plutôt de notre évolution en devenir avec les animaux, et ça, c'est un des grands enjeux actuels. Au passage, sur les animaux, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement troublant. Lorsqu'on regarde, on appelle ça le scalisme, donc la scala naturelle, l'échelle naturelle des espèces. Et euh, je profite de cette occasion pour rappeler comment effectivement cette idéologie de progrès a, euh, dans sa déviance, lorsqu'on parle de l'évolution de la ligne humaine, il y avait cette procession de, de singes qui se redressent, donc je le fais devant vous. Donc il y avait le macaque, ensuite le chimpanzé à moitié dressé, Au bout, on avait l'homme blanc, et entre les deux, on avait quoi L'homme noir et l'homme jaune complètement hallucinant. Et ceci traîne encore dans des bouquins et des représentations. Et ça, aujourd'hui, c'est là qu'il y, qu y a nécessité absolument de bousculer ces idées-là, puisqu'en définitive, on voit bien que les différentes cultures ont des apports très différents, des rapports très différents vis-à-vis -vis des animaux, qui ont des conséquences absolument considérables pour l'avenir aujourd'hui de nos sociétés. Et par exemple, je vais vous surprendre, les cultures ont le même rapport d'un point de vue ontologique aux animaux Qu'ils l'ont par rapport aux machines, c'est la question de l'altérité des intelligences reconnues ou pas reconnues. Il est absolument fantastique de constater aujourd'hui que les cultures asiatiques, qui sont plus animistes, n'ont aucune difficulté pour intégrer les robots et les machines autour des activités humaines ou de l'assistance aux humains, alors que nous, en Europe occidentale, nous avons encore une énorme difficulté. Il y a encore des gens qui disent l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Bon, ils n'ont rien compris à ce que c'est. Il faut la définir. Je suis d'accord avec vous, mais on voit bien que l'anthropologie est là et que la manière d'avoir des rapports au monde, et même au changement dans nos sociétés aujourd'hui très technologiques, sont également encore très emprunts de la manière dont les différentes cultures ont été capables de se positionner par rapport aux animaux. Merci beaucoup, docteur. Tu bon de... ah. ah, as une question aussi, pour le Christian Si c'est possible, volontiers. Une toute, toute petite, alors oh, Très simple. Puisque vous êtes à la fois le savant qui scrute le passé et celui qui regarde le présent avec attention et compétence, comment voyez-vous l'avenir et de l'espèce humaine et de celles qui sont en train de disparaître grâce à l'évolution formidable de nos techniques monstrueuses De quoi De nos techniques monstrueuses. En, ah oui. en une minute. D'un côté, un côté, vous avez l'utopie <laughs> tr transhumaniste qu'on appelle le solutionnisme et qui nous dit qu'on va tout résoudre avec les technologies. Ce dont à croire, je ne crois pas du tout. Mais très clairement, vous mettez quand même l'accent sur quelque chose de fondamental pour l'évolution de la lignée humaine, ce qu'on appelle la coévolution. Et depuis 2 millions d'années, que ce soit le feu il y a 2 millions d'années, aujourd'hui, euh, la révolution numérique, il est très clair que nous coévoluons, nous sommes des espèces très plastiques qui peuvent changer très rapidement avec des environnements techniques et culturels. On avait oublié un petit peu la nature. Donc derrière cela, en effet, euh, on voit bien que les transhumanistes, on ne les a pas beaucoup entendus avec l'histoire de la Covid-19, hein, vous avez remarqué. Ceci n'allait pas du tout venir, euh, personne d'ailleurs. Mais en l'occurrence, euh, les technologies, évidemment, vont jouer un rôle absolument essentiel. On voit déjà les progrès. Avec l'intelligence artificielle sur les data en médecine, sur les immunothérapies, sur la compréhension de la génétique, sur le microbiote, etc. Donc, et j'en passe, on va mieux comprendre les écosystèmes. Et la grande révolution qui, me semble-t-il, est souhaitable, c'est aujourd'hui d'avancer de manière rapide, avec la capacité d'analyser toutes ces données, parce que plus que jamais, le terme d'écosystème et à la fois dans le World Economic Forum, dans nos sociétés, avec l'environnement. Et nous aurons besoin, évidemment, de ces outils pour avoir une meilleure compréhension, modélisation, analyse et prise de décision sur l'évolution en train de se faire. L'évolution, c'est une théorie des complexités, et on a besoin des outils de plus en plus complexes pour tenter de la maîtriser, de bien l'accompagner, pour l'avenir de l'humanité, bien sûr. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, je vous annonce le docteur Étienne Klein. Alors accrochez vos neurones, parce que le niveau est très élevé, mais euh, on se réjouit déjà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas vous parler de physique, mais je vais plutôt vous parler du sens des mots. Alors on rouvre le procès du progrès, je m'en réjouis puisque le progrès a été condamné sans procès, il a été relégué. Il suffit de voir d'ailleurs euh, l'évolution euh, qu'a connue, disons, pendant ces 30 dernières années, du dicton qui a été euh, rappelé tout à l'heure, on n'arrête pas le progrès. Dans ma génération, lorsqu'on était jeune, la phrase on n'arrête pas le progrès était un jugement moral. Ça consistait à dire le progrès est une bonne chose. Il serait donc mauvais ou mal de vouloir l'arrêter. Autrement dit, nous prenions au sérieux l'anagramme de l'idée de progrès qui est le degré d'espoir. Or, quand j'interroge mes étudiants et que je leur demande le sens qu'ils donnent à ce dicton, eh bien, ils disent que c'est plutôt un jugement pratique. Ça signifie qu'il est impossible, techniquement, d'arrêter le progrès au motif que... La technologie s'est autonomisée par rapport aux désirs humains et qu'elle pilote nos vies sans qu'on l'ait vraiment décidé, ce qui veut dire qu'elle est transcendante par rapport aux projets politiques. Et donc, le progrès, le progrès a été condamné. D'ailleurs, un des membres du jury, qui s'appelle Gérald Bronner, a démontré que ce mot progrès a disparu des discours publics. Il a été écrit pendant trois siècles avec une lettre majuscule il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il a complètement disparu, remplacé qu'il a été par le mot innovation, qui n'est pas son synonyme malgré les apparences. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer cette relégation du mot progrès. Par exemple, on a constaté une certaine naïveté dans la philosophie des Lumières, par exemple, lorsqu'il considérait qu'il existait un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès scientifiques, qui engendrent automatiquement un progrès technologique qui engendre un progrès matériel, puis moral, puis politique, on a bien vu, notamment au XXe siècle, que cette façon de considérer son évolution était naïve et a d'ailleurs été démentie par l'histoire. Il y a une autre raison d'ailleurs qui a été insuffisamment citée, c'est le retournement des poussettes. A la fin des années 1990, partout à la surface de la Terre, on a retourné les poussettes. Avant, les bébés étaient poussés dans le sens inverse de la marche de la personne qui les poussait, donc ils regardaient leur mère, leur nourrice, leur père, avec laquelle ou lequel ils pouvaient échanger des grimaces, des sourires, bref, des connexions à leur origine qui leur donnaient confiance en eux-mêmes. Et une fois qu'ils étaient retournés, ils avaient confiance dans la suite de l'histoire et croyaient au progrès. Aujourd'hui, les enfants sont poussés vers l'avant. Ceux qui pensent que ça leur permet d'échapper aux tutelles familiales pensent que c'est une bonne idée. Mais en réalité, les enfants sont terrorisés par le fait qu'ils ne voient que des anonymes. Et donc, ils ont peur du futur, ce qui aurait contribué. C'est évidemment une métaphore qu'il ne faut pas prendre au sérieux, mais j'essaie de combler mon temps de parole. Bon. <laughs> Alors, je disais tout à l'heure que le mot innovation semble être le synonyme du mot progrès, mais ce n'est pas vrai. Euh, si on regarde... Les rhétoriques dans, laquelle, dans lesquelles était insérée l'idée de progrès autrefois, on s'aperçoit qu'elles étaient toujours associées à l'idée d'un temps qui passe qui est constructeur. Le temps qui passe est complice de notre liberté et de notre volonté. Et finalement, croire au progrès, c'est configurer le futur d'une façon crédible et attractive, de sorte que nous sommes prêts à sacrifier notre temps présent au nom d'un futur collectif. Autrement dit, pour croire au progrès, il faut une philosophie de l'histoire. Or, la rhétorique de l'innovation, et ce n'est pas du tout une critique de l'innovation, c'est juste une question à propos de notre façon de la justifier. Par exemple, dans le traité de l'Union européenne qui veut faire de l'Union européenne l'horizon 2020, 2010, en remplacement du traité de Lisbonne de 2000 qui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance. Ce qui est dit dans ce document de 50 pages, c'est que l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Raréfaction des ressources, vieillissement de la population, problème d'énergie, euh, changement climatique, etc. Et elle a compris également, ajoute le document, que l'Europe ne peut compter que sur l'innovation pour relever ses défis. Autrement dit, la rhétorique de l'innovation est associée à un temps corrupteur. Le temps qui passe dégrade les situations. Et l'innovation est ce qui nous permettra de maintenir le monde en l'état. C'est-à-dire que c'est l'état critique du présent qui sert à la justifier et non pas du tout une certaine idée du futur qu'on aurait configurée à l'avance. Et donc ma proposition, mesdames et messieurs, c'est de prendre l'idée de progrès au sérieux, c'est-à-dire de la soumettre à elle-même. Que devons-nous faire pour faire progresser l'idée de progrès en tenant compte des leçons que l'histoire depuis le siècle des Lumières nous a apprises. Et je vous propose une expérience de pensée toute simple, Alors, qui pour le coup relève de la physique, même si la physique dit qu'elle est impossible c'est d'imaginer une capsule temporelle qui permettrait aux philosophes qui ont théorisé l'idée de progrès au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, de monter dans une capsule temporelle qui va les faire arriver en 2021. Donc on mettrait dedans Condorcet, D'Alembert, Diderot et quelques autres, peut-être quelques Anglais, Spencer, David Hume, John Locke, et on les ferait atterrir en 2021. Évidemment, on va pas tout leur montrer d'un coup, ils, deviennent, deviennent, deviendraient, ils, deviendraient, ils deviendraient fous. On va leur organiser un petit voyage par étapes, et en fonction de leur réaction qu'on pourrait imaginer, on verrait en quoi leurs prédictions ont été démentis par la suite de l'histoire, et en quoi ce que nous avons fait est allé au-delà de ce qu'ils espéraient. Par exemple, on pourrait les amener pour leur première visite dans une classe de terminale, où ils suivraient un cours de mathématiques. Ils seront très impressionnés, d'abord de constater que l'enseignement est obligatoire, d'autre part que les jeunes gens de 17 et 18 ans apprennent des mathématiques qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Je ne suis pas en train de dire que les élèves d'aujourd'hui sont meilleurs en mathématiques que Descartes. Je suis en train de dire qu'ils connaissent des mathématiques que Descartes ne connaissait pas. Ensuite, on va les amener au CERN, grand laboratoire de physique des particules. On va leur expliquer le boson de Higgs et ils vont comprendre que les découvertes des physiciens sont des découvertes philosophiques négatives. Change la façon de comprendre les réponses qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Ils vont dire que ça c'est incroyable. Ensuite, on va leur expliquer qu'au 19e siècle, on a inventé, on a découvert plutôt une nouvelle interaction qui s'appelle l'électromagnétisme. Et grâce à cette interaction fondamentale, des ingénieurs du XXe siècle ont réussi à fabriquer des appareils paralépipédiques qu'on peut mettre dans tous les foyers et qui transmettent le son et l'image. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça Vous avez diffusé en direct tous les cours du Collège de France Et là, vous les mettez sur un canapé un samedi soir devant une chaîne de télévision privée. Et ils vont se dire, tiens, il y a quelque chose qui a raté. D'accord. Il faut que je conclue. Oui. Eh bien, je conclurai en disant que voilà, euh, un, un philosophe français qui s'appelle Georges Canguilhem a écrit en 1970 un article intitulé de la décadence de l'idée de progrès. Il explique que l'histoire du progrès s'est développée en deux phases. Première phase, on associe le progrès à la lumière, à l'idée de linéarité, de conservation. Et puis, avec l'ère industrielle, on associe le progrès, non plus à la lumière, mais à la chaleur. Donc à un principe de dégradation. La lumière se dégrade en agitation thermique. Et la question est, à quel nouveau symbole faudrait-il associer l'idée de progrès pour qu'à nos yeux, elle redevienne pertinente Merci beaucoup, docteur. Et je ne doute pas que le grand jury nous donnera un bel écho pour savoir à quelle saveur, à quelle lumière nous devons associer. Je pensais que coups. vous feriez remar remarquer, je suis le seul à avoir tenu mon temps de parole. Ah et, je en, et je vous en félicite. Alors, oncle Christian, tonton Robert, vous avez chacun droit à une question, une question sympathique, pas trop longue. Et monsieur le docteur Etienne Kla nous fera des réponses brèves. Mais féconde, puisque c'est le thème de la soirée, et il faut être bref, mais fécond. Donc, euh, qui, Tonton Christian, tu veux commencer cette fois-ci Cher Monsieur, dans un de ses écrits, peu de temps avant sa mort, Georges Bernanos, qui vient de découvrir la radio, est extrêmement inquiet de ce monde dans lequel nous sommes désormais entourés d'ondes, et il associe cette pensée a une définition de l'humanité à venir, l'humanité des monstres mous. Qu'est-ce que vous en pensez Les monstres mous Je <laughs> ouais. Que pensez-vous des monstres mous, docteur mais Je vais donc dire à peu près n'importe quoi, mais je vais quand même le dire. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait eu raison sur ce point, parce que je, ce que j'ai observé, notamment grâce à l'épisode sanitaire qu'on vient de traverser, c'est que grâce au monde numérique, chacun d'entre nous, en quelques clics, peut fabriquer son chez-soi idéologique, c'est-à-dire construire une communauté numérique rassemblant des gens qui sont d'accord entre eux, qui pensent la même chose, et des algorithmes vont sélectionner des articles, des vidéos qui iront dans le sens de ce qu'ils pensent déjà, de sorte qu'ils ne seront jamais soumis qu'à des biais de confirmation. C'est ce que Tocqueville appelait, dans la démocratie en Amérique, des petites sociétés. Donc l'ère numérique fabrique non pas des monstres mous, mais des petites sociétés qui se forment un peu comme des clans, qui coupent les contacts avec les autres petites sociétés du même type, de sorte que la société se balkanise et les valeurs qui sont défendues dans chacun de ces clans apparaissent à ceux qui les constituent comme plus importantes que les valeurs du contrat social. En clair, les idées se radicalisent, on devient de plus en plus militant pour des causes particulières. Mais on ne va plus voter. Donc, là où les clans, là où les monstres mous échouent, les clans durs s'élèvent. Monsieur le bâtonnier Robert Dessous, votre question. Limité. Le progrès lui-même n'est-il pas limité Alors, ce qui limitait, c'est sans doute la, la nature. Et en effet, quand l'idée de progrès a été euh, élaborée d'un point de vue théorique, la nature était considérée comme euh, un réservoir infini qui ne ré rétroagissait pas à nos propres actions, et l'homme lui-même était considéré comme un être d'anti-nature. Non pas au, au sens où l'homme serait contre la nature, mais au sens où il serait d'une essence transcendante par rapport à la nature. Quand Descartes dit. L'homme doit devenir comme maître et possesseur de la nature. C'est cela qu'il signifie. Et on s'est rendu compte, notamment grâce à la science, que la, que la nature n'est pas inerte. Elle rétroagit à nos propres actions. Et d'aucuns, qui sont de plus en plus nombreux, pensent que nous, vivre, nous devrions finalement euh, liquider la science au motif d'un mauvais, mauvais usage du monde, avec l'idée que c'est la science qui nous aurait rendu capables de dévaster les ressources naturelles. Alors moi, je pense que ce n'est pas avec la physique d'Aristote qu'on va résoudre les problèmes de climat. Ce n'est pas avec la biologie de Pile l'Ancien qu'on va lutter contre les maladies. Et donc, nous devons non pas liquider, mais retravailler l'idée de rationalité pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Alors, après avoir euh, traversé le politique pour euh, sombrer dans la physique et envisager l'avenir, après avoir écouté les témoins, le procès va commencer. Donc, nous allons avoir une plaidoirie, à vrai dire, un réquisitoire du bâtonnet Christian-Charles Brunazel, à l'accusation du progrès. Je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas ce qu'il va accuser, je m'en réjouis déjà. Et la défense du bâtonnier Robert Dossou. Alors, j'aimerais dire quelques secondes sur chacun des deux. Le bâtonnier Christian Chahier-Brunazel est pour moi comme un père. J'ai créé le choc des légendes par amour et par gratitude pour lui et pour le bâtonnier Marc Bonan. Parce qu'il m'a inspiré les droits de l'homme, l'amour, l'engagement la liberté. Et donc, c'est très difficile pour lui de venir ce soir accuser le progrès, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et donc, il a accepté de le faire. Le bâtonnier Robert Dossou, qui est aussi comme un papa, que je connais depuis quasiment mon enfance, qui s'est battu pour les droits de l'homme partout en Afrique, ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien ministre, ancien député. Et qui est également celui qui a conçu les conférences nationales qui ont bouleversé l'Afrique, et qui est un homme aujourd'hui à 82 ans avec une intelligence et une fécondité sémillantes. Et j'espère aussi que lorsque de mes vieilles rives, lorsque j'aurai 82 ans, mes cheveux pâliront, mais que mon esprit, peut-être mon corps aussi, s'ébranlera et s'élèvera. Monsieur le Batoumé Christian Cherbounazel, oncle Christian, vous avez la parole. Sur un sujet aussi difficile, j'ai naturellement quelques notes. Monsieur le Président de la République du Ghana, Excellences ambassadrices, ambassadeurs, ministres, professeurs, doyens de facultés, mesdames, messieurs, éminents publics, je ne peux pas citer tout le monde, je suis évidemment très intimidé d'avoir à parler devant vous. Sur un sujet que je n'ai pas choisi, mais je ne cherche pas à me dérober. La mission qui m'a été confiée consiste en effet à requérir, en qualité de procureur, contre le progrès, puisqu'il est question d'instruire ici son procès, et que vous êtes, mesdames et messieurs, les jurés qui, tout à l'heure, prononceront une décision. Or. Malgré son talent, son ingéniosité, sa façon d'être toujours en pointe, Pascal ne m'a fourni aucun élément comme ceux que l'on a en général au moment où l'on va requérir. Pas d'acte d'accusation, aucune décision de renvoi devant la juridiction par une quelconque chambre de l'instruction, et aucune référence à des faits précis, ni à un article du Code pénal. Alors, qui prétend-on juger, puisque je ne sais même pas comment vous définissez son identité Je suis remonté jusque chez les Latins, où il est dit que progressus, le mot qui est à l'origine du mot progrès, c'est en réalité celui qui désigne la marche en avant. Est-ce que c'est la marche en avant physique que l'on cherche à condamner Si tel est le cas. J'aurais donc pour mission de plaider pour l'immobilisme ou l'immobilité contre toutes les formes de déplacement, depuis la marche à pied jusqu'au marathon ou aux courses olympiques, sans oublier les fantassins militaires secondés par des mules, des chevaux ou des chars. C'est une idée qui, qui ne manque pas de grandeur, parce que d'un côté, il y aurait la marche forcée ou choisie qui se termine par des préjudices, notamment pour les fanatiques du ballon qui euh, n'ont plus de cartilage au genou, ou euh, pour euh, ceux qui, horde euh, armées, créent des millions de morts sous prétexte de guerre, de conquête, de répression ou de libération. Et d'autre côté, il y aurait donc, si on s'en tient à cette simple définition physique, l'homme figé, l'homme... Euh, qui est une sorte dans sa position de défi au temps et à l'espace, sous la forme des statues qui survivront des millénaires aux éphémères footballeurs et qui n'auront même pas eu la Légion d'honneur. <laughs> si ce procès évoque aujourd'hui en réalité une attaque contre le progressus latin, c'est-à-dire la marche physique, permettez-moi de vous dire que c'est tout de même très réducteur. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin et euh, se demander s'il s'agit aujourd'hui, pour moi, de requérir, contre ce que Montaigne disait du progrès, une transformation graduelle vers le mieux. Là, nous sommes dans la signification abstraite ou spirituelle du progrès. Et comme toujours, avec cette phrase, transformation graduelle vers le mieux, Montaigne fait rayonner à la fois la sagesse, la modestie, et euh, nous montre sa capacité à croire en l'humanité. Il n'est donc pas question pour moi, M. Galli, de requérir contre Montaigne. Il me faut donc définir moi-même le champ de mon réquisitoire. Alors, intéressons-nous aux évolutions physiologiques dont notre espèce humaine a bénéficié. Je dis bien physiologique. Le, le grain de sable que nous appelons la Terre, sur lequel nous nous trouvons perdus entre des milliards de milliards de galaxies, abritant des milliards et des milliards de systèmes solaires semblables aux nôtres, nous donne déjà à réfléchir sur ce que nous sommes, puisque ce grain de sable, la Terre, qui n'a que 5 milliards d'années et qui ne sera plus là dans 5 milliards d'années, aura été aussi éphémère que nous, puisqu'elle aura duré quelques, quelques millièmes de secondes cosmiques. Si la vie est née sur la Terre il y a, comme l'on pense, 2 milliards d'années, les premiers grands singes dont nous descendons ou remontons ont été euh, extrêmement sages à leur manière dans un univers auquel ils se sont euh, adaptés. Et le chimpanzé, notre cousin, continue aujourd'hui à vivre comme nos ancêtres communs, c'est-à-dire en sautant de branche en branche pour chercher de la nourriture, et puis en serrant contre lui ses enfants pour arracher les tics qui leur font du mal. Et, et tandis que le singe civilisé que nous sommes, continue lui... à non pas serrer contre lui ses semblables, quelques-uns le font, mais à décider de détruire dans des chambres à gaz euh, ses semblables par millions, criminels d'être nés, ou réduire en poussière euh, des centaines de milliers d'habitants grâce à la bombe atomique. L'évolution, cette forme de progrès, a doté le, le primate initial que nous sommes d'une intelligence créative dont vous devrez décider si. Euh, elle est un bien ou un mal, et vous aurez à confronter le bien qu'elle engendre au mal qu'elle ne cesse de produire. Et je vous invite, pendant votre délibéré, à méditer la phrase du philosophe Hegel, L'homme est l'animal malade. Et mon premier développement sur la progression psychologique de l'espèce humaine m'amène évidemment à aller vers le domaine spirituel et morale. Au cours de son évolution, notre espèce a conduit sa destinée vers de plus en plus d'inventions. Là où mon arrière 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 grand-père chimpanzé cassait une noix avec une pierre sans en faire un instrument, nous avons nous la possibilité aujourd'hui, après la découverte du feu, comme l'ont rappelé tout à l'heure nos intervenants, d'avoir inventé la lumière, l'énergie, etc. Mais parallèlement, alors que l'homme primitif, avant de devenir sapiens, vivait une sorte d'harmonie, la première manifestation de son impossible admission de la mort, et de ce que tout serait fini, lui fait ensevelir ses proches qui ont cessé de vivre. Et en même temps, puisqu'il est impossible de penser qu'il n'y a pas quelque chose après, quand on a conçu le goût de l'absolu, alors on invente les divinités. Et naissent toutes les sortes de divinités, de religions, avec tout leur cortège de pouvoirs excessifs, monstrueux, qu'il s'agisse à la fois de l'Inquisition d'un côté, de la charia de l'autre, on torture. Rappelez-vous, Ferdinand d'Aragon et Isabelle la Catholique en 1492, qui décident que les juifs et les musulmans n'ont rien à faire en Espagne. Et les chasse au nom du Christ, pendant que s'installe l'Inquisition au Pérou. Allez visiter à Lima le musée de l'Inquisition, c'est monstrueux. Et en 1615, en France, alors que Henri IV, lui, est mort depuis cinq ans et qu'il avait su passer du protestantisme au catholicisme, il est torturé. Brûlé vif, à Toulouse, en place publique, après qu'on lui a arraché la langue avec des tenailles, parce qu'il a refusé de s'excuser vis-à-vis de Dieu, ayant dit qu'il ne croyait pas en lui, à cause de son livre Les Arcanes de la nature, où il célébrait la nature en disant que Dieu n'existait pas. On lui a dit Excusez-vous auprès de Dieu. Il a répondu non, non, non. Je n'ai pas à m'excuser auprès de ce qui n'existe pas. Si j'avais offensé le roi, je m'excuserais auprès du roi, mais pas auprès de Dieu. Et c'est sept ans avant la naissance de Molière que l'Église torture Vanini et lui arrache la langue. Et puis, je n'ai pas besoin d'énumérer longtemps. Il y a encore 30 ans, protestants et catholiques se faisaient la guerre en Irlande du Nord au nom du même Jésus-Christ. Aujourd'hui, Sunnites et chiites s'entretuent dans plusieurs coins du monde, pendant que là, les Ouïghours sont persécutés par les Chinois à cause de leur religion, et que ailleurs, les Rohingyas sont condamnés à l'exil et à la famine en Birmanie. Ces quelques lueurs d'humanité qui, de temps en temps, nous éclairent, me renvoient encore à Montaigne. Car pendant que la folie totalitaire religieuse et les pouvoirs des clergés divers rayonnent sur tous, il y a de temps en temps une voix sage qui s'exprime. J'ai toujours beaucoup de respect pour Montaigne et j'aime à citer, je le fais toujours, sa phrase extraordinaire en pleine guerre de religion. Qu'est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures, le régler et le monde à notre capacité et à nos lois, nous servir aux dépens de la divinité de ce petit échantillon de suffisance qu'il lui a pu départir à notre naturelle condition, et parce que nous ne pouvons élever notre vue jusqu'au son glorieux siège. L'avoir ramené ça bas à notre corruption et à nos misères. Et les choses depuis mon temps ne se sont pas beaucoup améliorées. Je ne veux insulter personne, mais quand j'entends, il y a quelques jours, un archevêque dire que la loi canonique passe au-dessus de la loi civile, je me demande où en sont les progrès de la spiritualité religieuse. Par rapport au monde d'aujourd'hui, on objectera tout à l'heure évidemment que l'âme humaine est capable de progrès. C'est vrai pour quelques-uns, c'est vrai. Des gens admirables, des femmes admirables, Teresa, sœur Teresa, Charles de Foucault, je ne vais pas citer tous ceux dont on pourrait aujourd'hui célébrer encore avec effusion et admiration la mémoire pour tout ce qu'ils ont fait pour les autres. Mais tout de même, ils n'ont pu, chacun à sa place, freiner d'aucune manière la marche inexorable de ce que nous appelons le progrès, qui n'est qu'une lente descente vers le fond de l'abîme. Sur le plan, encore une fois, des relations interhumaines, s'il y a des, individu des individualités qui nous donnent de l'espoir, L'immense foule des atroces bourreaux, des fanatiques et des terroristes ne nous permet pas toujours d'espérer un lendemain meilleur. En quoi cette marche d'ailleurs est-elle inexorable René Descartes qui s'interrogeait sur la volonté des hommes de se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, avait mis le doigt sur un point essentiel, c'est la volonté de maîtriser tout sans humilité. Et Karl Marx, auquel je n'ai pas beaucoup l'habitude de me référer, a une phrase tout à fait impressionnante :« Toutes nos inventions et nos progrès semblent doter de vie intellectuelle les forces matérielles, alors qu'elles réduisent la vie humaine à une force matérielle brute. » Évidemment, on doit admirer les conquêtes de la médecine. Et il est évident aussi que vivre au-delà de 26 ans peut paraître un progrès formidable. Tout dépend de ce que sera cette vie pour les uns et les autres. 26 ans de vie merveilleuse peuvent valoir mieux que 70 ans d'une vie misérable vécue comme SDF ou dans des prisons ou dans des geôles abominables où l'on vous torture. Mais en même temps, car c'est toujours la même chose, il y a l'apparent progrès et ses conséquences négatives. Rappelez-vous Alfred Sauvy qui disait que la médecine qui progresse et qui permet de survivre fait partie des trois parcs surmortels qui vont un jour ou l'autre faire en sorte que la Terre ne pourra plus héberger ni nourrir l'ensemble de ses enfants. Je sens que l'on va m'opposer, bien sûr, qu'il y a des choses sublimes comme les nouvelles énergies, le nucléaire. Oui, 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 il y a aussi Fukushima et Tchernobyl. Et puis, comment, sans être irresponsable, ne pas voir en face les ravages de l'Internet, qui sont aussi considérables que c'est bien fait Certes, il est inouï de penser que, avec un, un, un galet magique comme celui-là sur lequel aurait été écrit il y a 4000 ans une phrase en égyptien, des savants auraient pu reconstituer complètement une pensée, peut-être même une partie de la civilisation. Et ce même galet magique aujourd'hui me permet de correspondre à l'autre bout de la terre en envoyant des pensées des lettres, des images, des sons, et c'est évidemment inestimable. Seulement de la même manière, ce même instrument permet de harceler, de persécuter, de dire des choses infâmes, de transmettre de la haine, de s'acharner sur des petits qui, à force d'être persécutés, finissent par se donner la mort comment faire le partage entre le bien et le mal qui vient d'une chose donnée, quand on s'aperçoit que toute nouvelle innovation fait autant de mal que de bien et quelquefois davantage. Sur ces réseaux sociaux qui sont aujourd'hui au cœur de beaucoup de débats, Christiane Taubira a dit une phrase que je trouve remarquable. Dans son livre ⁇ Nous habitons la Terre ⁇ elle parle des réseaux sociaux en les définissant. Ces alcôves à tout vent qui donnent l'illusion aux lâches qu'ils sont braves et libres. Et c'est exactement ce que nous pouvons penser. Le bien, le mal. L'innovation qui soulage, enrichit, guérit et qui en même temps assomme, assène, détruit. Désespère. Vous vous rappelez la fable d'Ésope Lorsque, esclave phrygien de Xanthos, on lui demande de faire pour un repas, de faire cuire et cuisiner la meilleure des choses, et il fait de la langue. Tout le monde s'en réjouit, le plat est magnifique, et le lendemain, Xanthos lui demande Aujourd'hui, tu vas faire le contraire, tu vas cuire la pire des choses. Et Ésope, à nouveau, cuit de la langue. Nous sommes donc dans cette même situation où chaque chose née du progrès est à la fois bonne et mauvaise, sans qu'on puisse faire le partage entre ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire, sans savoir lequel domine l'autre. Et alors, nous sommes un peuple, ce peuple humain, extravagant, alors que nous sommes incapables aujourd'hui de ne pas dénaturer la nature en la servissant, alors que nous sommes incapables d'empêcher les banquises de fondre ou la basonie de ne pas être détruite, on rêve d'envoyer dans l'espace sur des petits grains de sable comme la Terre, qui n'ont rien à leur surface, pas une végétation, peut-être des ressources primitives, on ne sait pas mais avec des astronautes qui seront exposés à des rayons qui leur donneront cancer, cette idée de fuite de la Terre sous prétexte de découverte montre à quel point nous sommes incertains dans ce que nous recherchons et ce que nous voulons, comme souvent il y a plus de prétention et d'orgueil que de véritable sens des autres et du service qu'on peut leur apporter, et qu'en réalité, cette course perpétuelle à une innovation technique est le contraire de la sagesse je vais rappeler pour conclure, car elle vient d'un grand homme, Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince. Permettez-moi de vous rappeler cette, ce passage que je vais vous lire. Le Petit Prince est confronté, par hasard, à un marchand qui vend des pilules. Bonjour, dit le Petit Prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça dit le petit prince. Ben, C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Le petit prince. Et, et que fait-on des 53 minutes ben, On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Nous ne sommes pas en mesure de réduire le progrès, autour duquel je ne vais même pas requérir. Quelle condamnation pourrais-je demander que vous prononciez, dont du reste il se rirait Je me borne à vous souhaiter à tous de marcher doucement vers votre fontaine sans renoncer à l'espérance. Alors, oncle Christian, quelle émotion de te voir euh, recueillir avec autant de, de gravité, toi qui es un symbole même de l'espérance et pour ceux qui le connaissent, euh, un grand humaniste, quelqu'un qui aime, qui aime quelqu'un qui donne et une des plus belles métaphores euh, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, de la générosité. Alors, sans plus attendre, après avoir accusé le progrès de tous les maux, je vais laisser la parole à, au bâtonnier Robert Dessous pour venir défendre le progrès avec panache, avec vigueur. Monsieur le bâtonnier, monsieur le bâtonnier Robert Dessous, tu as la parole, tonton Robert. en réalité improvisé à 82 ans par rapport aux notes que j'ai prévu, parce que c'est la première fois que j'assure la défense d'une cause sans avoir en face de moi réellement un adversaire à combattre ni une thèse absolument opposée à celle que je dois défendre. Parce que pour la première fois depuis presque six décennies que j'exerce ce métier d'avocat, eh bien j'ai un adversaire qui a donné à la pénologie la plénitude de son sens. Réparer l'homme, guérir le mal pour sauver l'homme. L'inculpé doit être racheté. Bâtonnier Christian Jarreb-Bournazel, merci. Monsieur le Président de la République du Ghana, Président en exercice de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale française, il n'est pas là physiquement, mais il y est. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les ministres, vous tous, honorables invités en vos grades et qualités respectives. Je plaiderai au-delà de ce que mon éminent confrère et ami Christian a plaidé tout à l'heure. Et je vais m'exclamer, je vais dire, mais objets inanimés, avez-vous donc une âme Parce que tout ce qui aurait la velléité de vouloir l'immobilisme, tout ce qui penserait que le progrès doit être arrêté, eh bien, c'est ceux qui ne savent pas quitter ce qu'il faut quitter. C'est ceux qui n'arrivent pas à se détacher de l'enfance ou de la jeunesse ou de la vie tout court parce que Alphonse de Lamartine, visitant les lieux de son enfance, était écrié Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer Pourquoi Parce que visitant les lieux de son enfance, il a vu se dérouler dans son esprit et dans sa conscience une partie bien gaie de sa vie. Et au jour d'aujourd'hui, personne, personne depuis le pape, depuis le pape jusqu'au jusqu nouveau attributaire du prix Goncourt 2021, personne n'arrive à se détacher complètement de son enfance. Et je l'étendrai, je, je dirai, de sa vie, de son vécu. Mohamed Mbougar Sarr, le tout nouveau prix Goncourt de cette année, dans son ouvrage La plus secrète mémoire des hommes, a écrit ceci. On croit avec la force de l'évidence que c'est le passé qui revient habiter et hanter le présent. Il faudrait considérer que la proposition inverse soit aussi vraie, sinon davantage, et que ce, sont, que ce soit nous qui hantions sans jamais leur laisser de repos ceux qui nous ont précédés. Nous sommes les vrais fantômes de notre histoire, les fantômes de nos fantômes. En effet, le vécu de l'homme le pousse quelque part au conservatisme. Et pour condamner le progrès, il faut... Ne pas pouvoir se détacher de son vécu actuel, même si ce vécu véhicule des douleurs, même si ce vécu, ce vécu véhicule des, des choses heureuses également, à côté des choses malheureuses. Le même auteur que j'ai cité tout à l'heure, Sartre, a souligner que rien n'attriste un homme comme ses souvenirs, même quand ils sont heureux. Et c'est là, justement, dans cela que réside notre difficulté à décoller vers le progrès et à suivre le progrès, à l'assumer, à l'accepter. Le bâtonnet Christian Charrier-Bonazel a essayer de condamner le progrès mais je ne crois pas qu'il ait réussi complètement puisque il n'a pas requis une peine contre le progrès il a demandé le rachat du progrès <laughs> cela me facilite la tâche donc <laughs> je ne vais pas aujourd'hui me livrer à la querelle des anciens et des modernes non non parce que la permanence de la pensée qui bouge et qui traverse le temps, véhiculé par les doctrines successives depuis l'Antiquité gréco-romaine, nous pousse au progrès. Quelle que soit la doctrine que ces auteurs ont élaborée, et eh bien Épicure avec Ataraxie, Lucrèce, Labniz, Kant, Auguste Comte, Hegel, Diderot, Rousseau, Spencer, etc., nous ne pouvons les citer tous. Mais, Mentionnons deux sommités scientifiques françaises de notre temps qui ont publié en 2019 un édifiant dialogue intitulé Le progrès est-il dangereux paru aux éditions Humaine Sciences. Il s'agit de la professeure Catherine Brechignac, ancienne directrice du CNRS et ancienne secrétaire perpétuelle honoraire. Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Elle est physicienne, comme notre amis de tout, notre ami de tout à l'heure. Et Arnaud Benedetti, qui est professeur associé en histoire de la communication à Panthéon-Sorbonne, ancien directeur au CNRS. également. Et ils se sont posé cette question. Mais nous autres, nous devons examiner le progrès à travers l'histoire de l'humanité. Et que constatons-nous Nous constatons deux choses. Le progrès libère l'homme de toutes les chaînes. Et deuxième chose, le progrès libère l'homme de ses pénibilités. Toutes les chaînes, depuis que l'humanité est l'humanité, les hommes ont cherché à servir d'autres hommes. Les hommes ont cherché à dominer d'autres hommes. Et nous trouvons à travers l'histoire trois points principaux. Nous avons eu la bulle Romanus Pontifex de 1455 du pape Nicolas V, qui a accordé, parce qu'il faut le rappeler, qui a accordé. Au roi Alphonse V, je cite, la facilité libre et ample d'envahir, rechercher, capturer, vaincre et soumettre tous les Sarrasins païens, quels qu'ils soient, et les autres ennemis du Christ, où qu'ils soient placés, et les royaumes, duchés, principautés, Do, dominion, possession et tous les biens mobiliers et immobiliers qu'ils détiennent et possédaient et pour les réduire et pour réduire leurs personnes à l'esclavage perpétuel. Fin de citation. Esclavage perpétuel. Donc ce pape fixait les règles pour toujours, selon lui. Deuxième point, le Code Noir de 1685 sous Louis XIV, qui réduisait le noir à un objet de propriété. Et enfin, la Conférence de Berlin de 1885. Mais la conscience humaine ne pouvait pas s'accommoder de ces choses-là qui vont à l'encontre de la dignité humaine. Et c'est la raison pour laquelle... En deux mouvements principaux, la conscience de l'homme a proclamé, affirmé des droits de l'homme. Premier mouvement, les droits de l'homme ont été proclamés, reconnus comme instruments nationaux à vocation universelle. Non point que les droits, les droits de l'homme ne fussent pas déjà affirmés dans l'Antiquité gréco romaine mais comme des principes, comme des principes moraux. Souvenez-vous de, 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 de ce que Antigone a répondu à l'infraction qu'elle a commise en enterrant son frère. N'avez-vous pas su que le roi avait interdit Et Antigone de répondre, oui, c'est les, les, les lois du roi, mais il y a une autre règle qui vient de Dieu. Mon frère a droit à des de sépultures. Donc, depuis l'Antiquité, l'homme n'a pas accepté l'esclavage, l'homme n'a pas accepté l'allionation, et c'est la raison pour laquelle on a eu, en Angleterre, en, aux États-Unis d'Amérique et en France, Angleterre, Grande Charte britannique de 1215, la Pétition des droits de 1628 le Bill of Rights de 1789, la Déclaration de l'indépendance américaine du 4 juillet 1776, et en France, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et lorsque Napoléon Bonaparte fit son coup d'État, il avait déclaré d'abord que la révolution était terminée et s'arrêtait au principe qu'il avait commencé. Mais le même Napoléon, peu après, pour conquérir l'Europe, n'a-t-il pas dit que c'était pour vulgariser les principes de la Révolution qu'il essayait de conquérir les autres Ainsi, même ceux qui violaient les droits de l'homme n'hésitaient pas à recourir aux droits humains. Les illustrations sont nombreuses. Et nous pouvons en donner à foison si nous voulons en puiser sur le continent africain. J'ai donné un exemple d'Europe à l'époque époque napoléonienne. Et nous allons, après ces proclamations nationales, mais qui ont été utilisées au plan universel, nous allons, avec la fin de la deuxième guerre mondiale, rentrer dans les proclamations, la création d'instruments juridiques internationaux par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, adoptée par les Nations unies au palais de Chaillot, ici même à Paris. Et Dieu fait que je suis aujourd'hui membre d'honneur du comité scientifique de la Fondation qui porte le nom de René Cassin, euh, un monsieur qui a beaucoup travaillé à cette déclaration. Et nous avons eu, après la déclaration universelle, nous avons eu d'abord les deux pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966, le pacte sur les droits socio-économiques et le, le pacte sur les droits politiques. Et je dois indiquer qu'au palais de Chaillot en 1948, deux groupes d'États, deux catégories d'États pour des raisons différentes se sont abstenus dans le vote. Le groupe des États d'Europe de, de l'Est se sont abstenus, motif pris de ce que cette déclaration universelle ne soulignait pas suffisamment les droits sociaux et économiques. Et la République sud-africaine, l'Afrique du Sud qui venait d'adopter une série de lois d'apartheid, s'est également abstenue justement parce que dans la doctrine de Vervord, à l'époque, le nègre ne pouvait pas avoir de droit. Mais les indépendances africaines qui se sont précipitées à, à partir de 1960, ont permis l'adoption rapide de ces pactes. Et ces pactes ont été suivis d'un de, de ensemble d'instruments, y compris des instruments sur les droits de la femme. J'étais il y a quelques semaines au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, où j'ai vu mon ancien collègue Jean-Louis Debré Ancien président du Conseil constitutionnel, avec sa compagne, faire l'éloge des femmes qui ont révolutionné la France. Et ils ont montré les femmes qui ont combattu pour les droits de la femme. Et il y en a une là-dedans qui m'a toujours fasciné. J'avais pétitionné pour qu'elle vienne au Panthéon, c'est Olympe de Goug. C'est là même qui a dit que si les femmes pouvaient monter sur l'échafaud, eh bien les femmes pouvaient également monter sur le podium de l'Assemblée nationale. Et quelques temps après, elle ne monta pas à la tribune de l'Assemblée nationale, mais elle fut guillotinée par le tyran révolutionnaire en 1791. Voilà, aujourd'hui, les femmes sont les égaux des hommes. Elles ne sont plus en tutelle. Donc l'homme s'est libéré de ce côté. Bien plus, au plan national, les condamnations diverses ont été prononcées. La France, ici même, au Palais Bourbon, la France, le Parlement français a voté le 21 mai 2001 la dite loi Taubira, considérant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le progrès subi, ainsi subi par la conscience, entraîne le progrès de la vie en société. Il est connu que l'homme est un animal politique, pour reprendre l'expression d'Aristote. L'homme vit en société, les Robinson-Crusoe, c'est dans les romans, dans la réalité de tous les jours, non. Et la société, poursuivant la conscientisation des droits et de la dignité de l'homme, eh la société a donné à chaque individu le statut de citoyen. Les individus étaient des sujets, des sujets des rois, des souverains, des empereurs qui avait droit de vie et de mort sur tous ces sujets-là, les sujets sont devenus des citoyens qui ont des droits, qui ont des obligations au regard de l'ensemble de la communauté. Et l'évolution s'est faite de la souveraineté détenue par le souverain à la souveraineté détenue par le peuple. Donc la démocratie a eu droit de citer parce que la conscience sur les droits de l'homme ont conduit à la démocratie. Et là où les droits de l'homme sont proclamés, la démocratie est garantie. Lorsque les droits de l'homme ne sont pas garantis, eh bien, la démocratie n'existe pas. Il y a des hauts a des bas dans cette démocratie-là. Parce que la tendance, j'ai dit querelle entre les anciens et les modernes, cette démocratie, eh bien, on la contourne, on cherche à la contourner. Mais l'évidence nous montre qu'on ne peut pas la contourner à l'insu du peuple. Parce qu'on peut tromper le peuple un temps, mais on ne peut pas le tromper tout le temps. Donc, nous sommes passés au, à la démocratie, au droit que chaque citoyen a de contrôler les affaires de son pays, de se prononcer sur ceux qui doivent gouverner le pays. Voilà le grand premier volet de défense du progrès. Peut-on arrêter la conscience Non. On peut emprisonner le corps qui développe la pensée et la conscience, mais on ne peut pas emprisonner la conviction, la conscience et la pensée. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est souvent ignoré. Mais grâce au progrès, la conscience s'est affirmée comme liée à la dignité humaine, aux droits de l'homme et également donc au progrès de la pensée. Et lorsque tout à l'heure on nous disait qu'il faut laisser la lumière allumée, et c'est très significatif. La lumière allumée, c'est le droit de chacun de dire ce qu'il pense d'exprimer ce en quoi il croit, de s'abstenir quand il a envie de s'abstenir, de se prononcer quand il a envie de se prononcer. Le deuxième volet, le deuxième grand gain de, de, du progrès, c'est de nous soulager, de soulager les hommes de toutes les pénibilités. Et je ne vais pas être long sur, sur ce volet-là, parce que l'évidence est telle qu'il me suffit de dire deux mots pour que vous m'approuviez. Le premier mot, mot c'est la santé. La santé, aujourd'hui, est marquée par une diminution foudroyante de la mortalité infantile. Elle était très prononcée à une certaine époque en Europe. Et à une époque encore plus récente en Afrique, on faisait beaucoup d'enfants, 10, 20, 40 aux besoins, avec l'espoir que s'il y en a 10 qui meurent, eh bien, 10 autres vont survivre. Mais au jour d'aujourd'hui, la mortalité infantile a reculé partout dans le monde. Je ne veux pas vous fatiguer de chiffres. J'ai parcouru les statistiques des Nations Unies, de l'OMS et de certaines universités, particulièrement l'Université d'Oxford. J'ai parcouru les statistiques de la Banque mondiale. Euh, Là-dessus, c'est unanime, il y a une baisse foudroyante de la mortalité infantile. Et deuxième élément, le deuxième volet, c'est que l'espérance de vie a augmenté. L'espérance de vie a augmenté. Tout à l'heure, j'ai posé la question, quelle, quelle a été le, la contribution des animaux au progrès des humains J'ai été partiellement satisfait. Il reste un point au moins qu'il faut compléter, par lequel il faut compléter. C'est que l'homme a commencé à se soigner à partir de l'observation des animaux. Quand le lion se blesse, le lion sait vers quelle feuille, quelle plante il doit aller gratter sa blessure. Et récemment, récemment, on vient de repêcher dans la jungle, dans la jungle brésilienne, un pilote qui a craché avec son petit avion et qui est resté en, dans cette jungle pendant six mois. On l'a cherché partout, on l'a retrouvé que récemment, six mois après sa disparition. Et pour survivre, qu'est-ce qu'il a fait Il n'avait plus de vivre, tout s'est terminé, tout ce qu'il avait pu. Récupéré dans l'avion, et il lui fallait manger, il lui fallait vivre. Eh bien, il s'est mis à observer les singes, il ne connaissait pas les fruits qui, qui l'entouraient dans la jungle, mais lorsqu'il voyait que les singes mangeaient tel fruit, lui prenait le fruit, il mangeait. Quand les singes n'ont pas touché à un fruit, lui ne touche pas, et c'est comme ça qu'il a vécu. Donc, l'observation des animaux, nous a dès le départ orienté vers les médicaments, les feux qui pouvaient guérir. Et au jour d'aujourd'hui, les animaux nous servent de cobayes. Lorsque, lorsque un produit nouveau doit être mis sur le marché, eh bien, les cobayes, ce sont les animaux. Et quand ça a été conséquent chez les animaux, eh bien, il y a quelques volontaires humains. Qui accepte de, de, de s'essayer à ce médicament et quand ça marche, bon, on lance ça sur le marché. Par conséquent, eh bien, la nature même nous a donné ce qu'il faut. L'expérience de vie aujourd'hui est montée. Plus de 85 et quelques pour les femmes et plus de et 79 et quelques pour les hommes. Mais si tout ceci a été possible, c'est grâce au progrès de la science et de la technologie. J'ai parlé de pénibilité, quand vous êtes malade, vous avez peine à vivre normalement. Et pour produire en économie politique à l'époque où les mathématiques n'avaient pas encore envahi l'économie, parce que moi j'ai voulu faire l'économie mais j'aime pas les mathématiques et je suis devenu juriste, je ne m'en plains pas. En économie politique, on nous enseignait la pénibilité du travail. L'homme s'est d'abord attaqué à la pénibilité du travail. Le vol de feu, pas prometté, qui a volé le feu à Zeus pour donner aux hommes, il en a été puni parce qu'on l'avait pas autorisé à voler. Mais on l'a rétabli après, comme cela nous a été dit. Grâce au feu, l'homme a pu mieux se battre contre les animaux dans la jungle. Grâce au feu, l'homme a fait cuire ses aliments. Grâce au feu, feu l'homme a commencé à fabriquer des outils. Et grâce au feu, Denis Papin a compris que la vapeur peut servir de force de travail. Et ça, et ce fut le départ de l'industrialisation, de la mécanisation. Et la mécanisation a gagné l'agriculture et a gagné tous les domaines. Il y a deux ou trois ans, j'ai visité à 40 km de Pamjong, en Corée du Sud, l'usine de Life, Life is Good. Dans un très vaste domaine, tu m'invites à abréger, je vais abréger, rassure-toi. Je rentre dans l'usine, vaste domaine, vaste usine. Et tout est robotisé. Pas un être humain. Il y a deux hommes en scaphandre qui ont croisé les bras et qui observaient les, les robots. Le robot découpe la vitre, passe à un autre robot qui prend et un autre robot se met ensemble, agence. Je suis sorti abasourdi. Ça, c'est le progrès. Et j'ai regardé l'Afrique, je me dit, mais nous sommes encore loin, très loin. Si vous allez en Corée du Sud, allez visiter cette usine. Tout est robotisé. Donc nous avons l'informatique, nous avons le, 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 le numérique. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes soulagés de beaucoup de nos peines. Vous pouvez même, pour nettoyer votre chambre, déposer un petit robot là qui passe tout le meubles, vous dépose, vous nettoie tout. Quelle merveille, dirons-nous. En guise de conclusion, parce que je, je coupe, j'ai dit que ces deux mots-là, personne ne va aller contre. Tout le monde va m'approuver. Conclusion, l'homme est vivant. Est humain parmi les vivants. Les vivants sont de la nature. Il y a un rapport dialectique entre la nature et l'homme. L'homme est parti pour vaincre la nature parce que... Je recours à ma spiritualité. Je dis, Dieu a créé la nature. Il a créé l'homme dans la nature et il lui a demandé de dominer la nature. Mais dans cette nature, ce qui a un caractère infini, mais limité, limité, parce que la connaissance humaine est toujours limitée. Si elle est parfaite, elle est complète. L'homme va devenir Dieu, et l'homme ne peut pas. Et l'homme ne finira jamais d'apprendre et de découvrir, parce qu'il y a une dialectique. Cette dialectique, on la trouve dans les livres saints. On la trouve aussi dans le, dialectique, dans la, dans le matérialisme dialectique de Karl Marx tiré de Feuerbach, Hegel, et que Karl Marx a transformé les deux contraires. On retrouve cela dans le livre saint des chrétiens, la Bible. Dans l'Ancien Testament, à Siracide 42, 24, il est dit que les choses vont toujours deux à deux, l'une cherchant à, à détruire l'autre. C'est une loi de la nature, une loi qui s'impose à l'homme, et c'est la raison pour laquelle je dis que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est en cela que ma plaidoirie de défense rejoint et complète largement la plaidoirie du bâtonnier Christian Charer de Bournazel. Je vous remercie. Alors nous arrivons à la fin du procès. Le jury va délibérer. Le président décidera souverainement de écouté évidemment les membres, mais il décidera quand même. Quel sera son jugement euh, J'invite euh, docteur Vabré, que je n'ai pas oublié et qui est une spécialiste des coronavirus depuis 20 ans, à rejoindre le grand jury, puisque le coronavirus, c'est quand même euh, un con, un anti-progrès. Quoique ça nous a fait découvrir de nouvelles choses. Vous pouvez rejoindre le, le, le jury pour délibérer, professeur. Donc le jury va délibérer en secret, ici sur scène, pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, nous allons réfléchir de façon active à comment aider, euh, aider le progrès. À la fin du délibéré, je donnerai la parole aux membres du grand jury. Et pour le coup, je vous prie d'être bref et fécond. Vous aurez chacun deux minutes de temps de parole parce que le président a un agenda serré. Donc deux, trois minutes maximum chacun, puisque le président doit s'exprimer à la fin. Et pour le coup, je n'hésiterai pas à vous sauter au cou affectueusement pour euh, enlever les quelques paroles de vie que, que vous allez dire. Mais j'aimerais avant ça, pour faire écho aux plaidoiries du bâtonnet Robert Dessous et du bâtonnier Christian Charbounazel, ce n'était pas par hasard que j'ai choisi ces deux personnes-là. Le progrès, pour moi, c'est la diversité, c'est l'universalité. Et avoir ici un des plus grands bâtonniers de France, si ce n'est le cas, l'un des plus grands bâtonniers du continent africain, plaider l'un contre l'autre, mais au final, soutenant tous les deux le progrès, pour moi, c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est de voir le président de la République du Ghana, un pays admirable, venir jusqu'ici en France pour soutenir le progrès depuis la France, mais vers le monde, vers l'Afrique et vers le monde. Et le monde auquel j'aspire, c'est ce monde-là, un monde de progrès, où les peuples s'aiment, où, où nos âmes se fécondent avec tendresse, parfois avec contradiction, mais toujours avec générosité. Et donc j'invite les membres du grand jury. À se lever, à discuter dans le secret des dieux. Vous avez euh, cinq minutes pour nous trouver un jugement euh, sémillant, et donc je vous laisse discuter autour du président. Levez-vous et discutez dans le secret des dieux. Ne parlez pas trop fort parce que les, les Judas ne sont jamais très loin. Et euh, donc je vous laisse, je vous laisse délibérer. J'en profite pour, depuis tout à l'heure, nous parlons de progrès. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut se demander Comment est-ce qu'on peut être acteur du progrès? Parmi les mille causes que je soutiens, la cause des femmes, la ministre ne me contradira point, est l'une des plus importantes, plus précisément l'éducation des femmes. Donc je soutiens une initiative qui est pour favoriser l'éducation des femmes dans le monde entier et je vous invite à faire preuve d'action et de générosité. Et donc, il y a une cagnotte d'une ONG qui s'appelle Aider Action qui a fondé une, une campagne mondiale pour l'éducation des femmes. Donc je vous invite à scanner le QR code à l'écran et de faire preuve parce que j'ai de nombreux amis généreux et riches dans la salle. Donc je vous invite à aider des femmes, des filles dans le monde entier à rejoindre, à aller à l'école. Merci, merci beaucoup. Un, un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Je vous, je vous sens distrait. Un peu de silence et un peu d'attention. Donc, je vais vous passer la parole successivement et je veux que vous soyez brefs mais féconds. Et donc, je vais d'abord passer la parole à mon ami Florent Bachelier, à qui je dis un vif merci pour avoir cru au choc des légendes il y a quelques années, alors que je n'étais rien, je ne suis toujours rien par ailleurs, et donc pour avoir eu la gentillesse de nous accueillir ici ce soir. Et c'est beau de voir que la République, encore, se soucie les gens, soutient des initiatives désintéressées par ailleurs. Et donc, Florian, merci beaucoup. Merci Pascal, merci Monsieur le Président de la République. C'est un honneur. Je commence quand même. Donc peut-être 30 secondes de plus, Pascal, pour euh, euh, dire l'honneur qui est le nôtre de recevoir ici à l'Assemblée nationale euh, le président de la République du Ghana. Euh, merci, Pascal, également. Euh, je suis très sensible à la flagornerie. Et c'est pour ça que je m'entends très bien avec Pascal Galli. Je remercie Pascal aussi parce que j'ai joui ce soir, euh, trop brièvement certes, mais euh, de la fécondité exhibitionniste de Bertrand Poirier. Et pour ça je remercie Pascal. Mais, mais j'ai compris que j'aurais peut-être dû rester en Bretagne tout de même ce soir. Quand j'ai entendu Maître Charrière Bournazel rappeler l'étymologie latine, du thème du jour, Progressus en marche. <laughs> Et là, je me suis dit, c'est un guet-apens. On est sale Victor Hugo, l'auteur du Dernier jour du condamné. Ce serait donc le procès d'En Marche. Et l'Assemblée nationale serait ce soir la Cour de justice de la République en marche. Et là, j'ai eu un moment de doute et j'ai compris pourquoi le président de l'Assemblée était président de l'Assemblée. C'est qu'il était beaucoup plus intelligent que moi et qui m'avait délégué ce rôle. Et donc, j'ai tout de même écouté. Voilà, j'ai écouté des, des talents et je veux les remercier ce soir. Et, et partager, pour conclure, cher Pascal, avec vous deux réflexions conclusives, pour ma part. La première, c'est je ne sais plus si c'est euh, Sandrine Rousseau ou Jean-Jacques Rousseau, en tout cas c'était un intellectuel, ça j'en suis sûr, qui disait euh, le progrès a encore du progrès à faire. Et la seconde réflexion conclusive, pour ma part, je ne sais plus si c'est euh, Pascal Galli ou Bertrand Poirier, mais en tout cas c'était un intellectuel, ça j'en suis sûr, qui disait. <laughs> Il n'est rien de plus éloquent que le silence. Et à partir de là, il m'apparaît urgent de me taire. Voilà. Cette instruction a été très mal faite. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, euh, il faut, le progrès n'aurait jamais dû être là ce soir. Euh, et que euh, s'il devait y avoir un condamné, et s'il si devait y avoir en tout cas un inculpé, euh, ce devait être l'homme. Le progrès, c'est neutre. Le progrès, qu'est-ce que c'est C'est une avancée. Une avancée faite par l'homme, faite euh, par, euh, par l'homme, mais aussi, me dit ma voisine, peut-être aussi par les virus euh, et par les animaux. Le progrès, c'est le mouvement. Le progrès, c'est la vie. Alors, ça peut être scientifique, ça peut être intellectuel, philosophique. La vie, ça recule, la vie, ça avance. Il euh, y a parfois euh, des choses trappes, parfois euh, des bons, des progrès, n'est-ce pas Mais. Derrière tout ça, il y a l'homme, il y a son éthique, il y a la manière dont il va utiliser le progrès. On peut toujours opposer, bien évidemment, euh, les droits de l'homme de la Révolution 1789 et les meurtres de la terreur. On peut opposer euh, le nucléaire qui nous permet de nous chauffer euh, et j'habite en Normandie à côté d'une centrale nucléaire donc je, je sais de quoi je parle euh, mais ça peut aussi être très dangereux et le nucléaire c'est Hiroshima c'est Tchernobyl euh, et on peut aussi parler euh, des lumières dire que les lumières c'est formidable c'était le progrès et puis comme le font certains aujourd'hui opposer aux lumières les crimes de la Shoah mais fondamentalement, derrière tout ça, qu'il s'agisse de Diderot, qu'il s'agisse de Condorcet, euh, qu'il s'agisse de Hitler, derrière tout ça, ce sont des hommes, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont eu la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'agir, et qu'on a laissé faire. Alors c'était très bien quand on avait Condorcet, c'était très bien quand on a Olympe de Gouge, même si on lui a coupé la tête, c'était beaucoup moins bien quand il y a Hitler. Et je pense donc qu'aujourd'hui, ce n'est pas le progrès en soi, parce que le progrès, c'est nul. C'est neutre, c'est pas nul, excusez-moi. dessus c'est intéressant. C'est neutre. Euh, on peut dire que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais fondamentalement, je pense que la question qui se pose aujourd'hui à, à nous tous, et je pense que vous, si vous êtes là, c'est un sujet qui vous intéresse. La question qu'on peut se poser, c'est voilà, nous sommes arrivés en 2021 à un moment où, grâce aux nouvelles technologies, nous avons fait des bons immenses dans l'histoire de l'homme. Euh, nous sommes aussi arrivés à un moment où, euh, et j'en parlais et, et à ma voisine tout à l'heure, on appuie sur un clic et à ce moment-là, euh, on est observé, on, on nous prend toutes nos données. Et la question qui se pose, c'est comment nous, en tant que société, j'arrête, comment en tant que société, comment en tant qu'individu, on est capable aujourd'hui de réfléchir et d'avancer ensemble pour faire que le progrès ne devienne pas monstrueux. Alors, je laisse la place euh, maintenant au généticien là pasteur. Le professeur Kutala, merci. Merci beaucoup. Soyez bref et fécond, s'il vous plaît, monsieur. Très professeur. bref. Et, et fécond. Oui, évidemment, donc, le progrès, à moi, ça me rappelle beaucoup euh, l'évolution, comme ça a été dit déjà. Et j'ai une conviction plus positive et plus optimiste euh, du progrès, parce que depuis qu'on existe, depuis que l'homme est apparu sur Terre, en Afrique, il y a 200 000, 300 000 ans, on a fait preuve d'ingéniosité et de... Euh, le mot est parti, de... C'est pas grave. De créativité. de créativité. exactement. De créativité. Que ce soit d'un point de vue biologique ou culturel. On est sorti d'Afrique hier, d'un point de vue évolutif, il y a 60 000 ans, tous. Euh, et on s'est adapté à des nouveaux climats, on s'est adapté à, à de nouvelles ressources nutritionnelles. Euh, grâce à des changements génétiques, on a pu continuer à boire le lait à l'âge adulte. On s'est adapté à des nouveaux pathogènes qu'on a rencontrés. On s'est même adapté à des situations extrêmes de vie, comme c'est la vie en hypoxie, en altitude, au Tibet, aux Andes et dans les hauteurs de l'Éthiopie, grâce à des mutations génétiques. Aussi, on s'est adapté à tous ces environnements grâce au métissage. Le premier grand métissage de l'histoire de l'homme, c'est comme l'homme sort d'Afrique et il se métisse avec l'homme de Néandertal. Et de, de, de ce métissage, on a pu survivre, tout en particulier des maladies virales. Mais il ne faut pas aller il y a 40 000 ans et se métisser avec Néandertal pour savoir que le métissage, que entre nous, c'est un facilitateur de l'adaptation. Je n'ai pas le temps de d'en parler aujourd'hui, mais on a beaucoup travaillé en Afrique. Il y en a vu que le, le, le métissage entre différentes populations Bantou, ils se sont échangés des mutations que leur ont permis de mieux résister au paludisme. Et enfin, il y a le, 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 le progrès culturel, le progrès culturel, comme tout ce qui est arrivé au début du XXe siècle, l'arrivée des antibiotiques, des vaccins, qui nous permet de fin du XIXe siècle, que 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans en Europe, et aujourd'hui, 98% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Donc, je pense que, que les faits parlent par soi-même. Il y a des erreurs, il y a des prix à payer, mais malgré tout, on vit plus et on vit mieux. Et je finis comme ça. Ah, monsieur, merci beaucoup, monsieur le professeur. Euh, je vais laisser Yvonne euh, Betkober, la directrice générale d'Amazon Web Services parler. Je répète une nouvelle fois soyez bref, mais fécond. Fécond dans ce cas, hein, donc euh, d'accord, merci. Je commence par m'excuser euh, à l'audience parce que, un, je ne suis pas francophone deux, je ne suis pas scientifique. <laughs> 3, je ne suis pas avocate. Donc, cette soirée me laisse avec plus de questions que de réponses. Euh, et l'une des questions que je me pose après euh, ces éloquentes interventions, c'est est-ce que le progrès en lui-même n'est pas une loi de la nature Est-ce que le progrès n'est pas quelque chose qui nous arrive à nous tous Et est-ce que la partie humaine de ce qu'on appelle le progrès, l'innovation, l'évolution et autres, ne sont pas des réponses pour nous pour essayer de survivre à ce mouvement naturel qui nous entoure Maintenant, L'une des observations qui a été faite à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est ce que l'homme a fait du progrès nous pose des questions. En même temps, il est inéluctable que notre qualité de vie, notre capacité à produire, notre existence a été améliorée par les progrès aussi bien scientifiques que technologiques. En même temps, on se pose la question de savoir est-ce que le progrès n'est pas devenu fou et je pense que les questionnements qu'on se pose ce soir sont assez récents. Si on regarde, on est en train de parler de 200 ans maximum ou 300, 400 ans depuis la dernière révolution industrielle. Je suis ingénieur, donc je suis technologique. Donc automatiquement, je suis une optimiste quand il s'agit du progrès. Si j'avais donc une recommandation à faire ce soir pour le progrès, qu'il soit inculpé ou pas, ce serait de lui proposer une petite cure de désintoxication, parce que je pense qu'il en a besoin. Donc, si le progrès a perdu la raison depuis 300 ou 400 ans, c'est une très petite période, alors pourquoi pas l'aider à retrouver la raison, et la responsabilité revient à l'homme. Donc, je pense que si le progrès est une loi de la nature, et si l'homme a bénéficié du progrès en forme d'innovation et d'évolution, eh bien c'est aussi peut-être la responsabilité de l'homme et de l'humain d'aider le progrès à retrouver la raison. Merci. Merci beaucoup, Yvonne, pour ces vœux d'espérance que tu nous donnes. Euh, sans plus tarder, Gérald Brunner, sociologue. Euh, je vous laisse la parole, Monsieur le Professeur. Je vous rappelle encore une fois, soyez bref, mais fécond. Euh, merci, merci Pascal Galli. Euh, donc je vais être extrêmement bref et excusez moi donc euh, de la formule très peu protocolaire que je vais emprunter pour, euh, disons, inaugurer mon, ma petite allocution, je vais dire chers amis. Simplement. Euh, voilà, vous avez remarqué peut-être, chers collègues, que je n'ai pas tellement participé aux délibérations parce qu'en réalité, euh, je connais bien le progrès. Voilà. Et je considérais qu'en tant que jury, je méritais d'une certaine façon d'être révoqué pour cette raison parce que j'ai bien connu le progrès et ça fait longtemps, euh, mais il a changé. Voilà. Je me souviens de lui à la fin du 19e siècle et même encore au début du 20e siècle, il était sûr de lui, euh, limite arrogant. Et certains esprits malveillants disent même de lui qu'il était un peu mythomane, en fait. En effet, il promettait des voitures volantes, des villes volantes. Ouais. Bon. Mais on oublie quand même qu'il a tenu beaucoup de ses promesses. C'est vrai qu'après les deux guerres mondiales, il a été dit qu'il n'était plus tout à fait le même. Nagasaki, Hiroshima le hantaient. Mais il était un peu bravache encore à l'époque. Il faisait comme si de rien, et pour ceux qui ne le connaissaient pas comme moi, comme moi je l'ai connu. Ils ont pu croire pendant les 30 glorieuses qu'il était resté tout à fait le même. Mais déjà, sa dépression le travaillait. Il rêvait du club de Rome, de Hans Jonas. Personne n'y prenait garde, mais il commençait à faire des cauchemars à propos de la décroissance. Et puis, les années 2000 sont arrivées, celles dont il nous parlait avec enthousiasme un siècle avant. Elles étaient si proches et si loin de ce qu'il nous avait décrit. Nous étions tous fascinés, cherchant à comprendre ce qui nous était arrivé. De cette sidération, certains ont fait une colère, une colère noire, et ont voulu mettre à mort le progrès. Pour la première fois de l'histoire, les gens pensaient que demain serait moins bien qu'aujourd'hui. Ils déclaraient que leurs enfants vivraient moins bien qu'eux. Et ces enfants paraissaient plus enragés encore contre lui. C'est carrément la terreur de l'avenir qui, d'après 75% d'entre eux, les caractérisait. Pour plus de la moitié de ces jeunes, l'humanité était déjà condamnée. Alors comme beaucoup, je l'ai cherché. Je pensais qu'il avait totalement disparu ou qu'il était mort, comme on le disait, souvenez-vous, de Dieu le siècle dernier. Mais s'il était mort, où était son corps Eh bien, il était partout. Mais je m'étais tellement habitué à ses bienfaits, tel un enfant gâté, que je ne le voyais plus. L'espérance de vie, il a été dit à la naissance. Par exemple, a progressé vertigineux. Vertigis... Oh là, j'arrivais pas à le dire. Beaucoup, <laughs> sur tous les continents. On pourrait rappeler aussi que le travail des enfants est en forte diminution, puisqu'il concernait encore près de 30% des populations en 1950, alors que l'Organisation internationale du travail, aujourd'hui, le situe à 10% au niveau mondial. Et je passe beaucoup de chiffres, puisque certains ont été rappelés, mais la part de la population mondiale souffrant de sous-nutrition a été divisée par 3 depuis les années 70. Même dans certains domaines où le bon sens se plaît à croire que les temps passés étaient meilleurs, c'est presque fini. Nous découvrons peu à peu, euh, pourvu que nous fassions l'effort d'évaluer les choses par des données objectives, qu'il n'en est rien. Ainsi, la qualité de l'air que nous respirons aujourd'hui s'est beaucoup améliorée par rapport aux dernières décennies. Et de même pour la sécurité sanitaire de notre alimentation. Ce qui n'empêche pas nos contemporains euh, de regarder leur assiette un peu avec la peur au ventre et de se dire plutôt bonne chance que bon appétit. Il est donc là, notre vieil ami, le progrès. Tout près. Est-il mort ou peut-être seulement il dort J'aime à croire que nous l'avons un peu réveillé ce soir. Reviens, l'ami, nous avons encore besoin de toi. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, d'un professeur à un autre professeur, professeur fabre, vous avez la parole. Soyez bref, mais féconde. Non, non, et... moi je prends neuf mois pour faire un bébé. Et... 9 mois en Désolée, c'est moins, moins rapide que vous. Effectivement. Donc, euh, donc moi, je suis virologue et euh, je suis médecin et virologue. Et, et euh, clairement, je crois qu'on m'a invité ici pour. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis très contente. Mais je me suis posé la question qu'a fait l'accusé, même s'il n'y a pas d'accusé finalement, euh, pendant, cette, pendant cette pandémie qui nous a quand même bien bouleversés et donc, on est bien d'accord, il est très ambivalent, il nous a permis, alors je ne serais peut-être pas aussi optimiste que mon collègue généticien, il nous a permis de le détecter, le virus, de le traquer, de le contrecarrer avec un vaccin. Il l'a fait quand même très tardivement, quand finalement, on était dans l'urgence. Parce qu'avant, le progrès accompagne le caractère très invasif de l'espèce humaine qui oublie la connaissance de sa faune sauvage. Et ces virus, les virus existent depuis longtemps dans la faune sauvage et ils émergent de la faune sauvage. Il a euh, accompagné l'homme dans son désir de longévité, que je comprends bien hein, et que je, je partage, mais il a fabriqué aussi beaucoup de populations extrêmement fragiles. On en est au quatrième, voire au cinquième âge. Et le premier facteur de risque des infections virales. On va dire même en dehors du coronavirus, c'est l'immunosénescence et le problème de gérer les infections virales. Il a euh, également, je, je, je trouve, euh, été un, vraiment un grand absent, puisqu'on ne fait aucun progrès dans la mémoire, et notamment la mémoire intergénérationnelle des grandes épidémies, qui sont les grandes oubliées de l'histoire, et, euh, et la puissance des microbes. Alors moi je trouve qu'il y a un complice qui, a quand même, qui mériterait d'être questionné, voire d'être mis en examen, c'est le temps. Donc moi j'ai un cerveau qui n'est pas aussi puissant je crois que celui de M. Klein et donc je vois le temps comme tout le monde comme une flèche linéaire avec le passé derrière et le futur devant. J'ai quand même l'intuition que le temps des fois accélère, des fois fait des détours. Et j'ai surtout, je pense, le, le, je ne crois pas que les, les, les virus partagent en fait l'idée qu'on se fait de notre temps. Ils sont là depuis très longtemps, ils sont anciens, ils sont présents dans tout, tout ce qu'on appelle le vivant. Et euh, donc, on me pose toujours la question donc je pense qu'il faudrait quand même questionner le temps et lui demander qui il est. Et euh, je, la question qu'on pose toujours à un virologue, c'est quand est-ce qu'on se débarrasse de ce virus voilà, ce pas un scoop, on ne s'en débarrassera pas. Puisque, mais, effectivement, nous sommes, nous sommes très plastiques, mais les virus le sont encore plus. Ils vont donc, en tout cas, celui-là, se maintenir dans notre. Donc, il va falloir faire un deal avec lui. Il euh, y a quelque chose qui existe qui est la coévolution. Elle est dite en microbiologie pacifiste. Espérons que c'est vrai. Le problème, c'est le temps que ça prend. Donc, le message de ce soir, c'est. Faites votre troisième dose, parce que la cinquième vague est là, ça commence à monter. Alors, moi, je suis virologue, je ne savais pas que tout était de la faute de M. Gali, parce qu'il est impertinent et qu'il fait des procès complètement euh, détonnants. Et donc, peut-être qu'il va falloir faire un, un vaccin anti-Gali. Alors, madame le professeur, je vois ça comme un honneur. Je tiens à dire que je suis un virus résistant à tout et que nul vaccin ne saurait me vaincre. Alors, madame le ministre, je vous laisse la parole pour un mot bref, mais fécond, mais bref. Je serai brève, mais féconde. Euh, voilà. Et, et j'adorerais que vous m'appeliez madame la ministre. <laughs> Madame la, le... Madame la ministre. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers jurys, chers membres du jury, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors, je vais d'abord m'adresser à nos brillants orateurs. Par vos jubilations oratoires, vous avez construit un isthme entre l'optimisme et le pessimisme. Votre joute vivifiante distingue plusieurs analyses du progrès qui nourrissent les grands mouvements au sein de nos sociétés. Il y a d'abord la critique progressiste du progrès, c'est-à-dire celle faite par ceux qui croient en lui, ceux pour qui le progrès est en soi un objet d'espoir. Cela qui nous rappelle que le progrès doit être possible et pas absolument nécessaire. Il doit être compris, voulu et non pas imposé. Il y a ensuite... La critique anti-progressiste, antiprogressiste. c'est-à-dire celle faite par ceux qui ne croient pas en lui. Il le qualifie comme illusoire, trompeur. On y retrouve les fameux tenants de la vision décadentielle. Nous ne parlons évidemment pas de l'actualité. Une sorte de pessimisme radical. Et il y a enfin ceux qui nient à la fois le progrès et la décadence, l'espoir et le désespoir. Dans cette tragédie, il y a une force qui naît de l'antagonisme des valeurs. Des représentations qui se succèdent, progression, régression, répétition, opposition. Et à ce titre, l'histoire n'est ni un long fleuve tranquille, ni une tornade qui déracine toute vie à son passage. Messieurs, votre joute parlait à la fois de la France, de l'Afrique et du monde. De ces mondes qui s'entremêlent en nous, ces imaginaires qui nous façonnent et qui caractérisent nos multiples identités. Enfants d'Afrique et filles de la République française, je tiens à célébrer les visages présents dans cette salle, pour faire l'éloge de la langue française au-delà des pays, au-delà des cultures, au-delà des responsabilités. L'éclat des lumières sur ces visages, dans ces yeux, n'a pas manqué d'inspirer ce jury. Et s'il n'est point question de prononcer dès un présent un vainqueur, il est question de dire que notre réflexion collective fait élever la conscience. Notre langue est à la fois un ciment de notre identité, mais aussi notre ouverture au monde. Ce procès nous plonge quasi instantanément. Dans notre époque, alors que des théories fleurissent dans les débats publics français, notre identité serait opposée à l'universalisme lui-même attaqué de toutes parts. Les mots divisent plus qu'ils ne rassemblent ils emprisonnent plus qu'ils ne libèrent ils ravivent des plaies. Plus qu'il ne les suture. Alors je rejoins Monsieur le Député. Parfois il est urgent de se taire ou de ne dire que le nécessaire. C'est pourquoi je veux vous remercier, cher Joseph Pascal Galli, d'avoir organisé ce colloque. Je tiens à remercier chacune et chacun pour sa présence. Dans les mots de Camus, merci de contribuer à élever notre pays en élevant notre langage. Merci d'élever notre pays en élevant son langage. Nous en avons tant besoin. Faisons-le dans les murs de cette Assemblée et portons-le à l'extérieur. Célébrons cet amour de la langue et de la culture pour qu'Espérance continue de faire France. Et merci, cher Monsieur le Président, de nous signifier par votre présence que ces promesses ne peuvent s'accomplir que si elles se conjuguent avec fraternité. Je vous remercie. Ah, merci beaucoup, madame la ministre. Merci de vos voeux joyeux et féconds. Madame Héra, je vous laisse la parole pour un mot bref, mais fécond. Je crois que je serai brève. Parce que, tout simplement, chaque jour où je me lève, je me dis que j'aimerais mieux qu'hier, que je voudrais progresser. Je crois que, sans cesse, on peut tous progresser. Chaque jour où je me lève, je crois que je peux rendre le monde meilleur, plus respectueux des droits humains, plus égalitaire pour les femmes et pour les hommes, plus soucieux de la richesse de la diversité. Chaque jour où je me lève, je décide de croire que le progrès est possible. Le progrès, c'est une décision, et c'est ma décision. Merci. Merci beaucoup pour ces mots enthousiasmants. Monsieur Jean-Pierre Clamadieu, je vous laisse avoir votre mot court. Court, absolument. Mais fécond. Court, alors d'autant plus court que je ne pensais pas participer à votre délibération. Alors pourquoi Sans doute parce que j'ai vu trop de films américains. Tournant autour de procès dans lesquels la première étape d'un procès, c'est d'interroger les, les candidats jurés pour savoir s'ils vont pouvoir siéger. Sont-ils indépendants Arrivent-ils avec, arrive avec, au contraire, des idées toutes faites Et je m'attendais à ce que ce rapide examen se termine par le mot que nous avons tous entendu dans ces films, récuser. Alors pourquoi est-ce qu'on m'aurait récusé Tout simplement parce que je suis. Scientifique de formation, j'ai fait une école d'ingénieur, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et depuis ce moment-là, j'ai vu avec énormément d'enthousiasme le progrès se concrétiser dans plein de domaines différents. Et je reste encore aujourd'hui fasciné quand j'ai l'occasion d'aller visiter un laboratoire qu'il soit de physique presque théorique, je pense à ITER, ou que ce soit des laboratoires industriels dans lesquels je vois le progrès se construire. Et donc je, je pensais que cet enthousiasme que j'aurais manifesté dans la, dans la séance dans laquelle les avocats tentent d'interroger le, le, les candidats jurés, je pensais qu'effectivement ça m'aurait amené à être récusé, à ne pas pouvoir participer à vos délibérations. Nous sommes en France, le jury n'est pas désigné de cette manière, et donc j'ai joué mon rôle. J'ai entendu avec beaucoup d'attention les, les propos des uns et des autres, en particulier les propos de l'accusation, puisque bien sûr c'était cette partie-là que je voulais entendre. Et vous avez été extraordinairement convaincant, émouvant, pour nous montrer ce que peuvent être les limites du progrès. Et pour autant, dans nos débats, euh, j'étais de ceux qui disaient non. Je crois qu'il faut acquitter le progrès. Alors en réalité, euh, et on aurait Peut-être pu avoir un petit peu plus de temps pour, pour discuter, mais je sais que la, la sagesse du président euh, va, va compenser cette absence de temps. Nous nous sommes demandé qui condamner. Parce qu'effectivement, au travers de ce qui nous a été dit, on sent bien qu'il y a euh, des gens, des concepts qui devraient faire l'objet, sinon d'une condamnation, au moins d'un appel à la prudence. Mais pour ce qui est du progrès, vraiment, je suis très convaincu, moi aussi, que c'est ce qui nous fait. Avancer tous les jours, c'est ce qui nous donne de l'enthousiasme, c'est ce qui nous donne des raisons d'espérer. Et je m'en remets à la sagesse du président, non seulement de la République du Ghana, mais de notre jury, pour exprimer ce qu'est la sentence. Merci, monsieur Clamadieu. Dans votre mot, vous avez prononcé plusieurs fois le mot enthousiasme. Et enthousiasme, ça vient du grec in savoir Dieu en soi. Et je profite de ce mot pour vous dire l'enthousiasme que j'ai de vous recevoir, le bonheur infini de recevoir le président. Et j'aimerais dire un petit mot sur le président de la République du Ghana avant qu'il ne fasse son jugement. J'aimerais dire la joie que j'ai en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, d'avoir le bonheur, même s'il ne vient pas de mon pays, un président pareil. Voir aujourd'hui en 2021, alors que les opportunités les plus obscures, les scélératesses les plus viles sont là, un président qui se déplace pour venir à un moment d'esprit, pas pour venir signer des contrats, pour venir élever l'esprit humain, aller vers le progrès. Avoir un président qui aujourd'hui, malgré les tentations du pouvoir, s'engage pour la démocratie s'engage pour l'alternance, s'engage pour la lutte contre les, pour les droits de l'homme. Et de ce point de vue, je reviendrai Tonton Robert Sans droits de l'homme, il n'y a pas de démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de vie. Alors, Monsieur le Président, donnez-moi un peu de vie. Chers collègues, mesdames et messieurs les membres du jury. Il est étrange pour l'avocat que je suis de se retrouver en position d'énoncer un verdict, surtout dans un forum francophone, quand je suis un anglophone qui doit s'excuser par avance pour tout erreur qui se pourrait compromettre en français. Prononcer un verdict, c'est en quelque sorte contraire à l'essence du métier que j'ai choisi et que j'ai exercé pendant plusieurs années, même ici à Paris. J'ajoute qu'en tant que citoyenne, avocat et homme d'État, je me méfie d'une justice d'exception rendue en dehors des prétoires. L'histoire nous a appris que l'expression d'une justice sereine doit se faire dans un cadre solennel, approprié, sinon, elle n'est que sumac et prend le risque de se fouvoyer. J'ai contracté dans ma jeunesse une maladie qui ne m'a jamais quitté. Je vois qu'un de mes collègues a la même chose le goût du cinéma. <laughs> le western abonde d'exemple de paradis de procès mené dans un salon de bar et qui condamne un malheur à se balancer au bout d'une corde pour une pécadille. Mais l'Assemblée nationale n'est pas une salle de bar. Même si je crois savoir que c'est à la bouvette qui se décide <laughs> beaucoup de choses. <laughs> Elle est par excellence le lieu du débat démocratique, celui où on s'élabore et se discute les lois au nom du peuple français, un lieu de dialogue et d'échange souvent musclé, un espace irremplaçable d'expression libre où chacun est de fait à la fois avocat lorsqu'il défend ou attaque un projet et juge. Lorsque, par son vote, en son âme et conscience, il exprime la volonté populaire, c'est et cela devrait toujours être un acte solennel. Je ne crois pas donc contrevenir à la déontologie de ma profession, ni aux idées démocratiques qui m'ont fait embrasser une carrière d'homme d'État en tenant ici à vos côtés. À vos côtés pour rendre le verdict de ces procès hors même. Certains, au pays de Voltaire, il est étendu qu'il y a des esprits forts pourront critiquer le fait que le président d'un jury populaire soit un chef d'État <laughs> du secours africain. Il y verra un insupportable mélange des gens et surtout, une attente à la sacro-sainte séparation des pouvoirs. Ils ont ils raison peut-être de dénoncer une justice d'exception. Mais l'accusé lui-même n'était il pas exceptionnel au point qu'un titan lui-même est venu porter témoignage. Et quel titan, Prométhée, le fils du Japé, lui-même le fils... Du ciel et de la terre. Selon Hésiode, Prométhée fut par son imprudence responsable des mots qui accablent l'humanité, mais sorti de la boîte de la belle Pandore. Selon Essil, il faut un héros transformateur et civilisateur. On voit que le débat n'est pas nouveau. Si j'ai accepté d'être président de ce jury d'exception, c'est aussi que, somme toute, aucun erreur tragique ne peut mettre la tête du progrès sur le bio. D'abord, la peine de mort a été abolie en France. Ensuite, le progrès n'est pas de tête. C'est ce que certains d'ailleurs lui reprochent. Et si d'aventure, au terme d'on sait, sait quelle incarnation Prométhéenne, on lui coupait une tête qu'il se serait inventée. Soyons tranquilles. Il s'en fait pousser une autre. Il serait tout aussi difficile de le mettre en prison. Comment enfermer le progrès entre quatre murs Tel Jupiter. Je parle du dieu de l'Olympe, non pas du président de la République française. <laughs> qui à a, qui a ma connaissance n'est pas encore doté de ce pouvoir. Tel Jupiter donc, il prendrait une forme gazeuse pour s'échapper après avoir au passage procréé une ribambelle d'enfants qui sera à la charge de la nation. En ces temps de contraintes budgétaires, ce n'est pas souhaitable. Notre jury a donc délibéré du son qu'il convient de réserver aux prévenus. Nous avons écouté avec l'attention qu'il convient, les plaidoiries en accusation et en défense aussi que les témoins. Deux savants distingués et connus chacun pour l'entendu de leur savoir et l'ardeur qu'ils mettent à les partager avec le plus grand nombre nous ont fait pas part. De leur interrogation, fidèle en cela à ce qu'on doit être des hommes de science, non pas des hommes de certitude, mais des hommes de questionnement et de doute fondateur. Promet, Promettez lui-même est venu témoigner sans craindre que M. Pic ne réduise à niant ses prétentions d'avoir créé lui-même l'homme à partir de glaise. Dérive de, du progrès, tout a été dit, ou presque dans le réquisitoire implacable de Maître Charier Bounazel. Nous connaissons les risques éthiques et même ontologiques que certaines formes de progrès font courir à l'humanité. Les atteintes à l'environnement qui détireront la vie de certains des millions de nos concitoyens. Le gouffre qui peut s'installer entre une classe dirigeante, ultra connectée et ayant accès aux connaissances, notamment technologiques, et des citoyens déclassés qui pourra former et parfois forment déjà un nouveau loup en prolétariat. Mon confrère et presque voisin, Robert Dussu, a répondu à chacun. Chacune de ces attaques avant fin, sans doute, souffrait par Prométhée lui-même. Il a rappelé combien de, le progrès avait apporté à l'humanité et combien elle pouvait encore lui apporter. C'est particulièrement vrai que sur le continent africain, où il a permis de sortir, au cours des, des, des dernières décennies, des dizaines de millions de nos concitoyens d'une misère abjecte. Dans un esprit de conciliation qui n'est pas un esprit de reddition, je vais donc énoncer un verdict unique, comme l'est l'accusé, un acquittement au bénéfice du doute, mais assorti d'une peine. Nous mesurons qu'être acquitté et condamné dans le même mouvement n'est pas très orthodoxe, mais le progrès est agnostique. Pour tout ce que le progrès a apporté au développement humain, pour tout ce qu'il peut encore apporter, nous l'acquittons. Pour les dangers qu'il fait courir à l'humanité, pour son manque parfois d'humilité. Nous le condamnons à des travaux d'intérêt général, <laughs> sans limite dans le temps. Prométhée, ami du progrès, étant devenu immortel à la mort du saint Ochiron, qui lui léga son immortalité, gageant qu'ensemble, il serait utile, utilement tué le tombe, comme on dit ici. Car plus que jamais, nous avons besoin du progrès. Il est intrinsèquement lié à l'odyssée des espaces démarré en Afrique il y a 10 millions d'années. Pour nous, Africains, le progrès lui-même n'est pas sujet à débat. Seules les modalités de son exercice peuvent l'être. Après des siècles d'oppression et de humiliation. Après les turbulence des indépendances et de la guerre froide, le temps de développement de l'Afrique est vraiment venu. Celle-ci ne pourra advenir que si les Africains, tous les Africains, ont accès à une éducation, une santé et des services de qualité qui leur permettent de forger leur propre destin, qui leur permettent aussi d'exercer pleinement les droits et devoirs citoyens. Le progrès en est l'instrument. Pour moi, pour mes concitoyens ghanéens, pour l'Afrique et pour le monde, le progrès est en fait un autre nom pour l'espoir et la liberté. Je laisserai le mot de la fin à un auteur qui incarne au mieux cet esprit français auquel je suis tant attaché, rabelais tout écolier français apprenait et j'espère apprend encore que si on sans conscience n'est que de ruine de l'âme en 2022 vous fêterez j'espère dignement le 490e anniversaire de la publication de pantagruel d'où cette extrait citation Rabelais était le penseur d'une condition humaine, modeste et conscient de sa finitude, conscient de ses faiblesses. Son œuvre est une invitation à la sagesse, sans laquelle le progrès est vain. Espérons que le verdict que nous rendons aujourd'hui lui permettra à celui-ci de se mettre une fois pour toutes. Et sans évidence, équivoque, au service de l'humanité et d'un idéal de justice, de partage et d'espoir qui doit être notre seul horizon. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je profite de ce que les orateurs et le président soient à côté. Nous allons maintenant décerner les prix de la soirée et euh, les prix de la soirée euh, pour ceux qui ne sont jamais venus à cet événement. Euh, cet événement est un événement d'amour, euh, où nous prêchons l'amour. Et donc ce sont des gens que j'aime, que j'invite, des gens qui font partie de ma famille. Peut-être certains auront le bonheur ou plutôt l'honneur de la rejoindre, de rejoindre ma famille ce soir encore, s'ils sont montrent dignes. Mais donc je décore des gens que j'aime. Euh, des gens qui, comme le président l'a dit, font preuve de sagesse, font preuve d'humilité, font preuve de générosité. Donc j'aimerais appeler à mes côtés Tonton Georges. Viens. Florian Bachelier. Madame la ministre. Christophe, euh, Donc chacun de vous va remettre un prix. Ah eh non C'est tout le. le, le... Tout le charme. Donc, les personnes, chaque personne va remettre un prix aux différents orateurs. Je remercie d'ailleurs mon cousin Christopher Forcados qui m'a aidé dans cette aventure si laborieuse. Parce qu'il faut imaginer que c'est un événement que j'organise tout seul. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est vrai. Et donc, pour vous dire qu'aucun virus ne saurait me vaincre, parce que ça fait un an et demi que j'organise cet événement, avec l'aide des services de la question, mais que j'organise tout seul. Et donc, imaginez tout le travail, tout l'amour, toute l'abnégation qu'il y a derrière. Mais c'est si beau et si honoré de voir cela. Donc, mon cher cousin, peut un peu je me donner les prix. Ça, alors, alors, nous allons commencer par Prométhée. Le président aussi, bien sûr, aura un prix. Nous allons commencer par Prométhée. Donc, Prométhée, puisque nous sommes dans. C est, c est... Prométhée, où est-ce qu'il est, Prométhée, Prométhée. Approche-toi, lève-toi, embrasse-toi. Prométhée, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, je te fais décorer par Florent Bachelier. Et donc, Bertrand Perrier, le prix de. C'est le prix du feu de Prométhée. Pour le bâtonnier Robert Dessous, j'ai pris une personne d'un âge mûr. Tu as toujours tes cheveux, il ne les a plus, mais le cœur y est. Donc, l'ancien président de la Sorbonne, un homme extraordinaire, tonton Georges, s'il te plaît. Donc, il faut lire le prix. Hein. Le... Non, non, derrière, de l'autre côté. <laughs> oui. est le... Donc, moi, je suis présent. Alors, mon cher oncle Christian, plus... puisque... puisque tu es de mieux ce qu'il y a dans la République, alors c'est la République qui doit t'honorer. Et je le pense vraiment. Madame, le... Madame la ministre, s'il vous plaît. Non, j'ai pas vu. Alors, et pour le président du Ghana, j'ai voulu donner une touche de famille, une touche d'amour et d'admiration parce que je vous admire et mon goût pour les droits de l'homme, mon goût pour l'avocature est d'abord venu de mon père, qui s'est tant battu pour le Togo, pour l'Afrique. Papa, s'il te plaît, viens. Monsieur le Président, cher, je vais quand même dire deux mots. Eh, Pascal, nous sommes très fiers de toi. Ta maman et moi, tes frères et sœurs et tous les membres de la famille qui sont là, nous sommes vraiment fiers de toi. Très fiers. Eh, il y a quatre ans, je disais ceci en citant un auteur français que tout le monde connaît la, Les moissons de nos champs lasseront les, les fossiles et les fruits porteront la promesse des fleurs. C'est vraiment ça que tu incarnes, c'est une fierté. Parce que tu organises ça tout seul, y compris sur le plan financier. Tout ça, c'est pour honorer la pensée. Merci beaucoup. Tu fais un grand honneur pour notre pays, pour notre famille, pour notre pays, pour le Togo. Merci, Monsieur le Président, chers confrères, d'avoir fait cet effort extraordinaire de venir rester parmi nous. J'ai été extrêmement sensible. Mon épouse et moi, toute la nuit, on disait Mais elle est vraiment terrible, ce, ce président. Alors, avant de vous remettre le prix, je vais quand même saluer un ami, un vieil ami qui est là dans la salle, puisque nous célébrons la pensée, Jean-Baptiste Placard. Jean-Baptiste Placa qui tous les samedis matins sur RFI nous fait grâce de ses éditoriaux généreux. Merci, Jean-Baptiste, pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Au nom de mon fils, de mon fils je vous remets le prix. C'est un cube taillé en ébène du Togo. En tech du Togo. C'est en tech ou en ébène C'est de l'ébène, c'est de l'ébène. C'est le plus gros. C'est le plus gros parce que c'est le président. Et le cube, c'est le symbole du progrès, n'est-ce pas Merci beaucoup. Merci, président. Merci de tout cœur. C'est le prix de l'humanité engagée. Parce que le président, du des, le président du Ghana fait partie des rares présidents africains dont nous pouvons être, nous pouvons être fiers. Hein? Très fiers. Bon, merci à tous. Le, le, président, je, euh, le, le président va maintenant euh, poursuivre av avec, son, avec son protocole. Donc, s'il vous plaît, le protocole, mettez-vous en place le président va sortir les prochaines minutes.